Bon, Thomas, on a quand même un problème sur cette aventure. Quel est le problème, Arnaud? C'est moi. C'est moi le problème. Là, Thomas, aujourd'hui, il faut qu'on farme pour que je rattrape tout mon stuff. Comment on va faire? Comment on va faire? Eh ben, on va retourner dans l'Ender, hein. Mais on fait quoi? Je retourne à la maison? D'abord, je fais quoi? Non, j'arrive. Là, je suis venu avec du stuff. On va à l'Ender. On va à l'Ender, Arnaud. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, Et on va plein sud. Oui, on va à l'opposé de là où on était la On dernière fait le fois. nord, là on fait le sud, on fait les forteresses, on te remet le stuff, et après, je suis fier de toi. Et après, on est reparti comme à l'époque. C'est ça, Thomas? Ouais, c'est ça. Et t'es où, du coup, toi, là? Là, je suis sur le bureau. Moi, je suis au portail. J'arrive, le jeu se lance. Le portail et la lumière autour, elle est trop, trop, trop belle. Avec le shader qu'on a mis. Genre, tu sais, il y a un côté un peu vert sur les murs autour et tout, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, chat, mais moi je trouve vraiment que c'est très beau. Arnaud, je suis le plus heureux des hommes. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Là, on va jouer à Minecraft. Oui, en vrai, moi j'ai une hype qui est vraiment revenue de fou, genre. Regarde, regarde dans le coffre, il y a une surprise. Ah. Y a pas de surprise. Si. Merci, Gravier, merci beaucoup pour les 8 mois. Waouh! Du stuff en fer enchanté! Ouais. Il eut cru. Bah, Tu vois? je ne sais pas, c'est vrai. Ok. Ok. C'est bon, ça reste du stuff en fer, mais c'est mieux que rien. Thomas, tu as une pioche? Thomas, tu es là? Oui. Attends, j'ai ça. Tu peux choisir ce que tu préfères. Carapace de shelter, ça faut qu'on garde, Oui, faut les garder, laisse-les là en vrai. Oh, putain, j'ai perdu toutes les miennes, ça veut dire. J'ai ça. Il me faut juste un pantalon et une pioche, moi là. J'ai pas de pioche. Ah, ça c'est Mais regarde, vraiment Arnaud. chiant par contre. Non! Yes! Ça, t'as une épée, j'ai mis une pelle. T'as le stuff fer. Et t'as un fût ou pas? Non. Vas-y, bah j'en crafte un en Ah, mais tiens, fer. j'ai dû faire là, j'ai mis dans le Bah coffre. c'est bon, je me suis sapé. Bah là, au Ah, moins, non? on peut y aller, hein. Y a des livres aussi qu'on est dans la biblio. Bah ça, bah range tout ce que tu veux. Élytres, du coup, je garde. Enfin, de toute façon, elles ont plus de vie, hein. Ouais. Ah, attends, t'as l'enclume ou pas? Ouais, tiens, j'ai mis dans le coffre. Vas-y, bah on l'emmène. Comme ça, on pourra faire les fusions de stuff Hein? sur place. Élytres, du coup, je laisse. T'as pris l'épée en diamant? L'objectif aujourd'hui. Ouais, j'ai pris. L'objectif aujourd'hui. Non, j'ai pris une enfer raccommodage. Vas-y, je prends celle en diams. Il y a une pelle en diamant, si tu veux. L'objectif. Non, il n'y a pas besoin pour là où on va de prendre des pelles. Les Denver, je laisse là? Ouais. Ouais, il n'y a pas besoin. Objectif du jour. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va faire en sorte de se restuff tard les zinzins, tard les fous. En gros, on repart dans l'end pour se faire le build parfait. Et une fois qu'on a ça, on retourne vers la maison. Et on se cherche un putain d'endroit où faire notre putain de vraie maison. Oui. Arnaud, juste, Oui? avant de descendre, est-ce que tu es chaud pour qu'on sorte dehors, on va chercher à Grail? J'ai plus rien. Ah mais moi non plus j'ai rien, je suis mort là, je serais parti sans y penser. Vas-y, ok. Ah viens, on crée Attends. un escalier pour Ouais, retrouver c'est ce que j'allais facilement. dire. C'est ce que j'allais dire. Tu me suis? Oui. Tu veux que je fasse? J'ai une pioche efficacité. Efficacité? Ouais, vas-y. Fait en colimaçon. Je vais inverser Attends, je ça. vais chercher la pelle. S'il y a besoin de pelle, tu me dis, je suis là. Je suis derrière en mode full pelle. Vas-y, je serai maître lumière. Oui, tu prends ton rôle à cœur là. Oui. J'ai entendu la seconde que t'as dit ça, il y avait déjà deux torches posées. Mais Thomas, c'est Alors là. tellement beau. Vraiment, c'est magnifique, sans déconner. Ouais, c'est sexy. J'adore, je pourrais faire ma maison dans un truc comme ça, moi. Ah bah oui, ce Viens, serait trop beau. continue l'escalier par là. Où ça?
Là, là, on continue de monter, tu sais. Ah oui, d'accord. Vas-y, j'enlève ça. Voilà, et là, tu continues le colimaçon tranquillou. Tu t'en sors ? Ouais, t'inquiète. Je sais même pas comment t'es passé, j'avais un bloc de pierre au-dessus de ma tête qui me bloquait, genre. Attends, je continue à faire le maître lumière. Thomas ! Oui ? Aujourd'hui, ça va être un grand jour. Ça va être un big day ! Aujourd'hui, ça va être un très très grand jour. Oui ! Pébélec ! Voilà, on est accueillis, là. C'est bon. Pébélec a cru, non ? Ouais, il est mort, je l'ai tué. Ah, il y en a d'autres ! Putain, le bordel, attends, il me défonce ! Mais attends, mais c'est quoi ce bordel, là ? Oh, regarde la vue, Thomas ! Waouh ! C'est vraiment trop beau, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique ! Ah, mais attends, Arnaud ! Quoi ? En fait, attends, on se casse le cul, mais... Il y a la cascade qu'on remonte, là ! Quoi ? Où ça ? Mais c'est la cascade qu'on remonte, et après, tu sais, on a la maison ! Ah ! Eh ben attends, vas-y, viens de là, on se fait un pont. Le truc, c'est juste que ouais, c'est pratique pour retrouver l'endroit, en fait. Tiens, attends, je vais faire ça. Tiens, bah viens, regarde, on fait là. Genre, en mode, on passe juste là, et on fait un tout droit, et on mettra des torches pour savoir que c'est par là qu'il faut passer. Ah oui, j'allais faire un pont. Genre, mets des torches sur le chemin. J'allais faire un monument. Moi j'ai pas de torche. Si tu peux. Merci juste pour le... Enfin, juste, pardon, pour le... Ah, oh, j'ai cru que c'était les trucs méga rares. Merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Et bienvenue. Oh merde. Oh non, je suis mort avec toutes mes fusées, moi, ça veut dire. Ouais. Oh non. Et là, faut aller où pour aller à la maison? Follow me. Oh, j'ai plus le bug sous l'eau avec les lumières. Ouais, moi aussi, c'était bien là. Mais je crois que c'est parce qu'il fait jour ou nuit, ou je sais pas. Tu crois? Non, je sais pas, en fait. Il fait nuit dehors, là? Je sais pas. Ça se trouve, c'est ça. On va voir quand on remonte. Oh, putain, j'ai gâché tellement de fusées. Attends, mais Thomas, faut qu'on referme des fusées avant d'y aller, alors. Bouffe et fusées. Ouais. Ou alors, on se déplace sans fusée, voilà. Waouh. Eh oui, c'est là, tu vois, beau. Il fait nuit, c'est sûr que c'était le jour qui nous baisait. Mec, la lune et tout, c'est tellement stylé. Oh, c'est trop beau avec la lune, les, ouais. Les reflets et tout. Ouais, c'est magnifique. C'est Minecraft ou la vraie vie, là? C'est... le Marseillais... C'est Minecraft ou la vraie vie, les amis? On comprend plus rien, là. Ils sont trop bien, viens, là, on dort, viens, on va au Schloff. Tiens, vas-y. Pense à fermer la porte, s'il te plaît. Merci. Merci, Croissant de Lune, pour le prime, bienvenue. Merci beaucoup. Dis ça, mais pas la porte d'entrée. C'est pas grave. Faut une ferme à creeper, ouais, mais vu qu'on va pas habiter là, les gars, on se fait pas chier à faire une ferme à creeper. Regarde, t'as vu, c'est le coffre de tous les plaisirs. Il y a tout. Cette maison, vraiment, elle est Gucci, hein. Ouais. Waouh. Bon, allez, allons chercher à Grey. Attends, il faudrait que je me fasse un bouclier aussi. Merci Godot pour le prime. Bah attends, c'est quoi, toi tu vas à droite et moi je vais à gauche. Ok. Ça te va? En vrai, de toute façon, la maison on la fera pas ici, donc on peut tuer les animaux. Oui, on peut on tue tout ce qu'on voit là. Attends, toi t'as pas perdu tes niveaux? Non. Bah va, enchante vite ton stuff, genre reviens et direct fais des enchantements. Mon shader, c'est Slidur Vibrante pour ceux qui demandent. Ouais, va direct enchanté. Tu me dis ce que t'as, je te dirai quoi prendre et tout. Parce que si tu perds tes levels, là, c'est catastrophique. Comme moi, quoi. Attends, mais il m'attaque mes morts. Pourquoi il s'est énervé, le Lender? T'as dû le regarder dans les yeux. Je l'ai pas regardé. T'as dû le regarder. Bon, t'as dû le regarder malgré tout. Élytre, je peux pas éveiller. Thomas, enchante ton stuff. Bah, je peux rien enchanter. Crée un casque en diamant et enchante-le. Le diamant, je l'ai mis dans le coffre en bas. Recrée du stuff. Bah, alors enchante des livres. Regarde ce que ça te propose et fais des enchantements sur des livres. Des livres et roues. T'as compris? Petit jeu de mots par rapport à des livres et roues. Thomas? Ouais. Je sais pas, t'as pas réagi. De quoi?
Bah, je t'ai fait une giga blague. Ah, Deliveroo. Ouais, c'était Tarpin Droid. Ouais, ouais, c'était lourd, c'était lourd. Ça, t'as rigolé? Mmh. Top. Thomas? Oui. Enchante des bouquins. Je cherche des bouquins, là. Il y en a plein le coffre, normalement. Mon coffre, qui est dehors. Je crois qu'il est rempli de livres. Mec, il y a aucun animal, rien du tout, genre. Oui. T'as dit quoi? Ah, mais du coup, attends, il y a 8 diamants là, et il y en a en bas 7. Ouais, on en a plusieurs. Mais Thomas, il n'y a pas d'animaux? C'est quoi ce bordel? No pets. C'est même pas simple. Non. No animals. Alors, le livre, ça donne... Loyauté 3, puissance 2, châtiment 1. Let's go, VG, ça fait déjà 3 mois que je te mets. Là, je mets juste un truc niveau 1 pour changer les améliorations pour les autres. Ouais, c'est ça, pour chercher les bons trucs. Cœur. Merci, Degma. Merci mille fois, c'est adorable. Merci pour les 3 mois. 1, protection 2, protection 1. Prends protection 2. Protection 2? Ouais, prends. Parce que si tu retournes une protection 2, on pourra les fusionner pour créer une protection 3, etc. Donc c'est toujours worse. Merci pour tes lives, Linka. APA 2, perforation 2, tranchant 1. Rien. Bah, tranchant, quoi. Bah non, tranchant 1, si c'est pour 3 levels, ça vaut pas le coup. Hein. Non, c'est pour 1 level, c'est le premier truc. Ah bah vas-y, prends-le, ouais. Merci Gigou pour le prime, et merci Cassio pour le prime, merci mille fois. Non, c'est bien, après on les fusionnera au pire. Charge rapide 2, châtiment 2, efficacité 1. Depuis le début, je peux enfin voir en live amen. Je dis à chaque fois du plus gros, le petit. Ah, redis le plus gros? Charge rapide 2. Non, c'est de la merde. Prends le plus petit. Puissance 3, efficacité 2, efficacité 2. Puissance 3, hein. Puissance, c'est pourquoi? C'est pour l'arc, non? Je me rappelle plus. Ouais. J'ai un doute. Je crois que vaut mieux prendre efficacité 2. Ah ouais? Je pense. Demande au chat au cas où, mais. Le chat, vous en pensez quoi? Je pense que l'efficacité, on s'en servira beaucoup plus, surtout que t'as déjà un arc puissance. J'ai puissance 3 sur l'arc, ça ferait puissance 4 du coup? Oui, je crois que ça ferait puissance 4. Mais après, l'arc, c'est très fort aussi, donc peut-être que c'est worse. Ils disent puissance, moi. Ils disent puissance aussi, là. Vas-y, prends puissance. Power 3. Ah non, ça dépend des gens. Il y a des gens qui disent efficacité aussi. Bah, je suis pas go puissance, je pense. Comme ça, je pourrais me faire un arc puissance aussi, parce que moi, j'ai toujours pas d'arc. Impulsion 2 en plus. C'est de la merde. Ah. C'est pour le... Comment ça s'appelle? Oh, puissance 4! Perforation 2, tranchant 1. Bah, puissance 4 direct. Prends, et comme ça, toi, tu pourras te faire un arc puissance 4, et moi aussi, on pourra me faire un arc puissance 4. J'ai... Tranchant 2, protection 3... P3. Ok, je peux plus prendre le dernier. Oh, efficacité 4 qu'il y avait dans le dernier. Bah, garde-le, c'est pas grave, tu le prendras plus tard. Ouais. Mais mec, il y a aucun animal là où on est. Dac. Alors attends. Ouf, wow. T'as la forge? Énorme, le bonhomme. Oui. T'as dit quoi là? J'ai dit que t'étais énervant. Et que t'es Dakodak là, de merde. Okay. Tu t'es cru dans les Simpsons ou quoi? Bah, je vais chercher un paille. Thomas? Il n'y a rien, genre on peut pas manger quoi. Mais vraiment à deux pas de la maison, genre j'ai encore vu sur la bibliothèque, il y a 4 chicken et 3 cochons. Ah bah je crois que j'ai pas eu trop de chance. J'ai trouvé, j'ai 15 trucs à bouffer moi. Et je suis parti il y a 4 quarts d'heure. Si je prends les œufs des poulets pour faire des mini chicken, là, et que je les tue après, j'ai de la graille ou pas? Ouais, non, les mini chicken, t'as pas de graille. Faut attendre qu'ils grandissent. Putain, j'ai déjà plus à manger, je peux plus courir et tout, je suis obligé de manger de la viande crue. J'espère que je suis pas trop loin de la maison, là. Normalement, je suis pas trop loin. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. Ouais, c'est magnifique, mais Minecraft, c'est vraiment stylé, hein. C'est pas comme OKFC. De quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pas comme OKFC. Ah, c'est triste. Je voulais dire un truc comme ça aussi en mode c'est pas comme un McDo. Je voulais dénoncer. Mais vous êtes comme ça, vous, dans ton chat? Ouais, moi c'est comme ça, ça dénonce. Ah ouais, ça dénonce. J'ai remarqué que ça slash. Mais Arnaud, si on le fait pas, qui le fera? Oui, c'est vrai, t'as raison, on a un exemple à donner.
T'as bien raison, bordel de merde. Il faut leur dire. T'as raison, il faut leur dire. J'ai mangé au McDo hier, moi. Du coup, je suis pas trop crédible. T'as craqué, du coup? Bah ouais, en fait, il était trop tard. J'ai reçu des amis chez moi pour les finales NBA. J'ai fait des petites pizzas maison. Thomas! Quoi? Il y a eu un bug. J'ai ouvert un œuf, il y avait 4 poulets dedans. C'est quoi cette merde? What? Je te jure. C'est peut-être des jumeaux. Non, j'ai jamais vu ça de ma vie. Comment? Pourquoi y a ça? J'ai jamais vu ça de ma vie, vraiment jamais. C'est super rare, giga rare. Non mais attendez les gars, j'ai jamais eu ça moi. Il me dit c'est pas un bug. Mais what? Apparemment, à skip. Elle veut quoi l'abeille là? J'ai eu un quadruplé. D'ailleurs, en parlant de quadruplé, j'ai encore monté mon MMR. J'ai un MMR plate 2 maintenant. Et t'es classé quoi? Je suis pas encore classé, je suis en train de monter un nouveau compte juste pour la mid lane. Et hier, tu sais ce que j'ai fait comme score? Tu es prêt à baver? Tu vas mal finir. J'ai fait une partie en 32-18 avec Panthéon. Mais oui, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que quand je te dis d'arrêter LOL, je parle à un mur, tu dis oui, c'est vrai. Ah oui, mais non, je vais pas arrêter. Un mur du coup, parce que tu me réponds pour au final après retomber dans des travers. Mais je ne veux pas arrêter. Mais si, il y a encore 2 semaines, tu m'as dit j'arrête, j'ai désinstallé. Je veux pas arrêter, je veux pas arrêter. Je veux pas arrêter, je suis accro. Tu fais du mal, tu te blesses. Merci Oman, merci beaucoup pour les 10 mois, merci énormément. NoFake, ça fait, je pense, au moins 2 semaines que j'ai pas ragé sur le jeu. Je te promets que c'est du NoFake, du certifié NoFake. Explique, j'ai compris ta boucle, comment elle se passe. Ah oui? Tu joues à LoL. Ouais. Tu montes un nouveau compte. Ouais. Sur la phase de XP où tu montes ton compte niveau 30, tu t'amuses, tu fais des gros scores, tu me dis tiens, cette fois c'est bon. Tiens, je joue support, tiens, je joue only pike, tiens, je joue Shaco, jungle, c'est trop fun. Tu t'amuses pendant les 30 niveaux. Ensuite, vient le niveau 30, tu fais tes premières ranked, et là, bah, c'est là où ça commence à se mal oui, se passer. Oui, c'est vrai, parce que j'ai des gens qui quittent dans mes classés, c'est vrai. J'arrête, le jeu, il est nul à chier. Et puis rebelote, après, 2 semaines plus tard, tu vas revenir en mode amnésie, où mais tu remontes un compte avec un nouveau rôle ou un nouveau... Thomas, je suis drogué, j'y suis pour rien, je suis totalement accro. Je vais t'emmener en désintox. Non, ne me désintoxifie pas, je veux intoxifier toute ma vie. Thomas, allons explorer. Ouais, c'est bon, j'ai agraï, j'arrive. Pour Grand Dead, on refait une aventure Grand Dead après celle de Minecraft. Allez. Pas avoir genre 8 jeux en même temps, mais dès qu'on finit Minecraft, on... Attends, tu dis on refait une aventure Grand Dead, c'est juste une soirée, hein? Oui, notre marathon Grand Dead. Enfin, une journée, quoi. Oui. Oui. C'est exceptionnel. C'est en one shot, boum, une journée, one shot le jeu. Je peux plus entendre boum. Je ne peux plus. Il m'a pété le cerveau. Je vous jure, à chaque fois que j'entends boum, je pense à Thibaut InShape et je n'arrive plus. J'endors plus la nuit. Merci Lilotte, enfin, merci pour les 3 mois, c'est adorable. Merci 1000 fois. Thomas, est-ce que tu as trouvé beaucoup de nourriture? Oui, j'arrive avec la graille. J'en ai très peu, moi. C'est quoi ton texture pack pour l'eau? C'est quoi le texture pack, Arnaud, déjà? C'est Faceful, le texture pack. Mais l'eau, elle est pas comme ça grâce au texture pack, elle est comme ça grâce au shader. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de ton addiction à LOL. Putain. Tes excuses de merde. Moi j'en ai à foutre. Arrête. Mange, je sais, faut que je mange, mais j'ai plus la graille. La bouffe est pas cuite. C'est pour ça que je suis en train de retourner au bercail. Thomas, t'es déprimé en ce moment? Rien non. À foutre. Je veux rien entendre, j'en ai rien à foutre, ok? Thomas, y'a rien à graille, hein. Y'a rien à se mettre sous la dent. Moi, j'arrive avec 17 côtes de porc, 6 moutons crus et 9 chicken. Attends, je vais farmer du comment ça s'appelle? Du charbon pour les faire cuire. Tu fais les choses bien, toi. Bah, ouais. Surtout que j'ai utilisé tout le charbon. Mais c'est rare, le charbon, aussi. Non. Écoute, je n'en vois point. J'ai perdu la maison, c'est pas là qu'on habite. Tu veux que je te dise où on habite? Non, tiens, attends. Dis pas, je vais retrouver grâce à mon sens de l'orientation hors pair.
Je suis en train de mourir de faim, j'ai plus de vie et j'ai plus de vitesse. Ah. Je vais lancer une perle. Pour quoi faire? Pour me déplacer plus vite. Tu vas vraiment utiliser ça pour rechat. Tu vas gâcher nos enderperles là. La pause c'est en 129 2700 en gros, 2650. T'as entendu? 129 2650. Ouais, dans ces eaux là, ouais. Ouais, c'est bon, j'avais retrouvé. Tu mens? Comment j'ai fait pour finir ici par contre? Je suis pas du tout parti par là. Non mais attends, mais là je suis... Non mais là c'est vraiment... Le ciel me tombe sur la tête, là je ne pensais pas retourner par là, hein. Enfin revenir par là. Hein. T'es totalement perdu? Non, c'est bon, j'ai retrouvé ma route, mais bizarre. Thomas, il faut aussi qu'on me fabrique un bouclier. Il y a du fer en bas là. Faut ouais. Juste qu'on chope du bois. Ouais, j'en ai déjà du bois, on fera en descendant. Et en bas, il y a 50 de fer. J'en ai pris 24 de bois juste pour faire un atelier si on a besoin. Voilà, voilà, bien dit. Mais du coup, on va avoir des élites, mais on volera pas? On fait comment? On va tuer du creep. Pourquoi il y a du chicken dans la maison? Bah, c'est les 4 chicken que j'ai invoqués en 1-9. Mais maintenant, ils vivent ici, tu dois les laisser. Le premier qui grandit, je le jure, je le tue. Non, non, pas mes enfants. Si, 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 faut le cry. Ah si, si, si. C'est mes bébés. Thomas, tu tues pas mes bébés, je m'en remettrai jamais. T'entends, Thomas? Bah vas-y, je trouve pas de charbon, ça m'a cassé les couilles, y'a rien près de la maison. C'est vraiment le pire spot. Putain, on a à manger, mais on a pas de charbon. Bah ouais, je cherchais du charbon pour faire cuire les trucs, mais y'en a pas, quoi. Faudrait descendre dans la grotte et remonter. Je vais te donner ma bouffe, comme ça tu peux te déplacer et on va aller farm du charbon un peu. Ok? Thomas? Oui. T'es d'accord? Ouais. Oh, mes petits chicken, ils sont trop mignons, mes enfants. Franchement, ils sont trop choux. Allez, viens, Thomas, on se schloffe et on y va. Je ne peux pas me schloffer le ventre vide, Arnaud, c'est pas possible. Bah viens, je te donne la bouffe, alors. Je suis sur le schloff avec mes fils. Tiens. Thomas? Ouais, attends. Je t'ai balancé 7 poulets rôtis sur mes fils. Ah bah, je les ai ramassés. Je suis au lit. Et... Vous savez qu'on peut mettre du bois à cuire pour faire du charbon ou je sais plus quoi. Oh. Thomas, au schloff. Vas-y, mais c'est un bruit de poulailler cette baraque là. Laisse-les tranquilles, c'est mes petits papas, c'est mes petits bébés. Comment on retourne déjà au truc? Bon, en vrai la bouffe et le cul, j'ai mis du bois. Ok. Je sais plus où c'est. C'est par là, je crois. Un peu de bois, ce sera meilleur qu'au charbon en plus. Ok, c'est là. Je vais quand même nous chercher du charbon en attendant vu que j'ai rien à faire. Tu peux prendre plus de bois pour qu'on en ait dans l'end, Thomas? Okidodoki. Merci. Ça, je vais faire en pierre. Thomas, quand on est dans l'eau, après c'est où l'endroit où il faut aller? Je crois que c'est par là, mais je suis pas sûr. Ah si, c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Bam bam. Oh là là, l'endroit il est tellement beau. T'as dit quoi? Monsieur vu du bois, il va être servi. Eh mais en fait on a planté des trucs là. Enfin t'as planté des trucs. Ouais, j'ai ramassé un peu, j'ai fait quelques bouts de pain, mais vas-y, c'est de la merde. C'est vraiment pas ouf. Y'a Optifine 19. Non c'est pas Optifine les gars là, c'est Iris que j'ai utilisé. Le bois, je le transforme ou je le laisse en classique? Laisse-le en classique. C'est pour si on a besoin de faire des trucs. Quand on sera dans l'au-delà. Salut Corta! Mais c'est vrai! Au lieu de prendre les blocs de merde là-bas là, qui sont relous à farmer, on prend du bois! Bah c'est un peu gâcher le bois quoi, autant prendre de la pierre et tout, c'est pas du tout relou à farmer. Le bois c'est pas relou. Le truc c'est que ça se forme facilement et après tu peux le transformer un bloc de bois en 4 blocs... Oui, oui, bah après on a beaucoup de bois ici et en plus ça on peut faire des dalles pour traverser et tout, c'est vrai. Oui bah écoute, tu peux si tu veux. Alors là je ferme un stack de bois, c'est comme si on fermait 4 stacks d'autres trucs là. Parce que moi j'aime pas fermer le bois près de chez moi parce que j'aime bien le bois pour la déco, enfin les arbres et tout. Mais c'est vrai que oui, là on s'en bat les steaks, on va pas rester là donc... Il est vrai. Qu'on s'en branle quoi.
mettre le bois. Je trouve très peu de charbon. Oh, c'est un mineshaft ? Ah, mais Thomas, on a un mineshaft ici ? Oui. Tu l'as visité ou pas ? Non. Bonsoir tout le monde. Ah, mais non, mais c'est la faille, c'est pas le mineshaft en fait. Enfin, c'est un mineshaft, mais aussi la faille. Ouais, c'est pas. En gros, c'est bien, mais pas bien là où je me suis un peu perdu quoi. Salut Léane ! Parce que je t'avais marqué l'entrée du mineshaft, il était vraiment à côté. Mmh. C'est stylé Léane comme prénom, j'aime bien. C'est mignon, oui. Putain merde, j'ai oublié d'où je viens. Ah non, c'est bon, je viens de là. Enfin, d'où je venais plutôt. C'est quoi ce bruit écologique, ça fait que le bois. J'ai dit, je dénonce moi. Peut-être pas des bonnes choses du coup. Ouais, tu dénonces quoi? Il ravage une forêt, tu sais. C'est l'intention qui compte. Pourquoi la sorcière elle m'attaque pas? Parce qu'elle est repentie. Qu'elle m'attaque, elle m'attaque. Je l'ai tué. Mais y'a pas de charbon, j'en ai vu tout à l'heure de loin et je sais plus où je l'ai vu. Voilà, attends. J'ai un shoot Arnaud, aujourd'hui je suis en forme. J'étais là? Ah bah tant mieux, parce qu'on va en avoir besoin de tes talents. Mais attends, il est où le charbon que j'ai vu il y a 2 minutes? Vraiment je capte pas là. Et j'ai un shoot de fou, je suis en forme de ouf. Du coup on y va sans farm le creeper, hein, on est d'accord. Je viens de faire une série de 4. Hein Thomas? Je 4 sans louper, hein. Oui. On y va sans avoir farmé de creeper, on est d'accord, on pourra pas voler. Si, on va farmer les creepers dans la grotte, j'y vais. T'es sûr? Oui. Y'en a pas beaucoup, hein. Mais attends, putain, où est-ce que j'ai vu le charbon? Attends, je perds la tête ou quoi? Je pose mes affaires et je descends. Je suis sûr d'avoir vu du charbon et de me dire je le prends tout à l'heure, mais je sais pas où il était. Peut-être au-dessus. Ça, faut que j'emmène. Ça, c'est bien, non. Mais je perds la tête, je perds la tête. Thomas, il y a le docteur. Ah, au plafond, c'était peut-être au plafond, ouais, bien vu. Allez, ouais, c'est parti. Thomas, il fait une chaleur à crever. Moi, dans mon studio, il fait super frais. Super frais, carrément? Ouais. Comment est-ce possible? C'est peut-être parce que j'ai l'air frais de la clim qui vient directement dans ma face. Hop. Ok, à la chasse aux creepers. Mais on va pas en trouver beaucoup des creepers, hein. On va pas en trouver beaucoup du tout, je pense. Et ben voilà, je viens d'en trouver un. Ouais, non mais moi j'en ai eu 2. Mais bon, il nous en faut 50 quoi en fait. Je l'ai perdu de vue. Bon bah écoute, je sais pas, je suis persuadé que j'avais vu du charbon et je comprends pas où il est. Ton live nous rafraîchit. Ah, ça fait plaisir à lire. Ça fait plaisir. Merci Laure pour les 12 mois, merci mille fois. Merci pour les 1 an de soutien, c'est adorable. En plus, là, c'est pas un soutien inutile parce que je peux vous dire que si on arrive au prochain sub goal, vous allez casser votre crâne. Ah, on n'est pas obligé d'avoir la poudre de creeper qu'on est dessus. C'est de la bombe. Non, c'est pas obligé, c'est pas obligé. Bah écoute, ah là, putain, ok. Je me rappelais que c'était quelque part au plafond et je me souvenais pas où. Il y a un creeper qui m'a pété dessus, le bâtard. Bâtard. Je sais pas pourquoi il m'a pas one shot par contre. Genre j'aurais vraiment dû mourir, non? Il a pété sur moi. J'ai 4 de poudre creeper. Bah c'est ton stuff enchanté, hein. Ouais, je sais pas, hein. Trop beau l'endroit là, mais what the fuck, on l'a jamais vu. Merci Farren. De quoi Thomas? Il y a du creeper, il y a de l'enderman, il y a du zombie là. C'est quoi le prochain sub goal? Les gars, on peut pas dire. C'est un secret. C'est un secret, mais ça sera banger. Je vous jure que vous allez tout kiffer de fou. Ma parole d'honneur. Je le jure sur la tête de Schnook. Je le jure sur la tête de Maurice. Vous allez adorer. Thomas, viens, on y va et tant pis. Je farme du creeps. Ah là, il y en a plein des creepers. Attends, il s'est TP l'Enderman, c'est pour moi. Ah putain, je me suis pas fait de seau d'eau. Là par contre, ça c'est vraiment important. Bah alors, le creeper, on est bloqué?
Oh, bah, merci monsieur le clipper. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il m'a pété dessus et ça m'a... Il y avait du diamant en dessous, du coup ça m'a formé le diamant. Je savais pas qu'il y en avait là. Bien gentil, lui. Ah. Hop là, un filon de 5 diamants. C'est vrai? Ouais. Putain. Ah ouais, ouais, non, il s'est fait péter, il m'a donné du diamant, là. Il t'a mis bien moins quoi. 17. Moins 17, il y avait du diamant. Ouais, mais c'est la plage, elle est super vaste. C'est juste que c'est conseillé d'être... Enfin, en gros, le plus opti, c'est la moins 50 et quelques. Allez, ok. Mais mec, j'ai envie de faire ma maison ici, je te jure, je trouve ça beau. Mais l'endroit incroyable. Où je suis, Arnaud, la grotte, elle est insane. Je sais pas si t'es au même endroit que moi ou pas. Enfin, à peu près, quoi. Je sais pas, moi, tu sais, il y a des plantes au-dessus, là. Ouais, moi, il y a des plantes, il y a du sable, il y a des arbustes. Ah oui, il y a des nénuphars et tout. Ouais. Il y a les axolotes, il y a les coulées de lave. Genre, vraiment, c'est somptueux. C'est vraiment trop, trop beau. Je pense qu'on est à peu près au même endroit, en vrai. Mais je te jure, je pourrais faire une maison dans un biome comme ça, vraiment. En plus, on peut farmer tout autour et tout. Ah si, je pourrais faire ça, un no-cap. C'est quoi cette faille avec de la lave en bas? Mais t'es pas au même endroit que moi? Y'a un endroit, ça fait une petite faille, tu sais, avec des rochers, mais vraiment resserré, et en bas t'as de la lave. Ah non, c'est pas là où je suis. Enfin, je pense pas. Bon bah voilà, je sais pas pourquoi je suis descendu. Non, putain! Oh, les squelettes, on en peut plus! C'est les squelettes qui tirent à l'arc, là, ça casse les couilles! Le nombre de creepers que je perds à cause d'eux... Oh, je suis un idiot! Thomas, j'ai très peu à manger, moi. Moi, j'ai... T'es vraiment bien, toi, niveau bouffe? J'ai ce qu'il faut, mais pour moi. Ah. Non, en vrai, on va partager, mais ça va être ric-rac. C'est quoi ça? Ah, c'est un poisson. J'ai 7 poutres de creep là. Moi j'en ai 8. Mais tu sais qu'il nous faut des cannes à sucre aussi, hein. Du diamond là. Je pense que je me suis un peu paumé, moi. Moi aussi, je pense en vrai. No cap. On fait quoi, Thomas? On essaye de se rejoindre quand même? Ouais. Personne t'aime le squelette. Vraiment, faut que tu te rentres ça dans la tête, hein. Dans ton petit crâne, là. Pourquoi t'insultes tous les squelettes? Parce que c'est des merdes humaines. Bah, ils sont pas humains, par définition. J'essaie de suivre les conseils de creuser autour d'un diamant, voir s'il y en a d'autres. Là, il y en a pas. Oui. C'est assez rare. Oh, c'est quoi, ça? De quoi? C'est un bug de texture, non? Thomas, ah oui. Quand est-ce qu'on va explorer? Ben, dès qu'on est prêt. Mais en vrai, on est prêt, là. Et ben, go. Qu'on explore à pied ou en élytre, on s'en branle, je pense. Parce que là, le truc, c'est qu'en fouillant, tu sais, en prenant le temps, là, de fouiller tout, toute la grotte, on va se retrouver à manquer de bouffe. Plaisir de resume le jour la de grotte est trop belle, genre vraiment sur trop belle. Ouais, c'est magnifique, ouais. Elle est grande, il y a de la place. Je vais passer une bonne après-midi l'un qu'à l'autre. C'est l'anniversaire de Biebar, il faut que tout le monde dise bon anniversaire Biebar dans le chat. Et dans ton bon chat aussi. Bon anniversaire Biebar, bon anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday, gros beau gosse. Voilà. Voilà, on lui a bien dit là. Là, on lui a fait sa fête. Là, on lui a bien dit. Oh, comment ça spam. Joyeux anniversaire VG. N'oublie pas que t'es le plus beau. T'es le meilleur. Boum. Thomas, je t'en conjure, partons à l'aventure. Here we go, hein, let's go. Thomas, je t'en conjure. Ouais, je t'attends. C'est vrai? Non. Bah. Je me suis perdu dans une grotte et j'ai trouvé du diamant. Tu veux que je te donne les coordonnées de l'entrée du portail? Non, c'est bon. C'est bon, tu as merci, trouvé. Merci Mariloulou, merci à toi pour les 9 mois. Mariloulou, 9 mois, c'est énorme. What the fuck? Eh oui, qui l'eût cru? C'est pas Mariloulou que t'aurais dû t'appeler, c'est Marie Chouchou. Parce que t'es la chouchou d'Actuan, vu que ça fait 9 mois. T'aimes bien ou pas ce que je fais pour motiver un peu tes subs? Ouais, c'était bien. T'as kiffé? Mmh. Ouais, j'ai kiffé. Je pense qu'elle a kiffé aussi. Ah, je suis content que ça vous plaise. Je crois que c'est par là. Moi, c'est bon, je suis en train d'arriver. I am on the way.
Mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi vaste, la grotte, par contre, là. C'est quoi, ce bordel? C'est magnifique. Là, je suis en train de monter le haut d'une cascade. Ça me mindfuck. J'arrive pas à savoir si je monte ou je descends. Genre, je sais pas comment expliquer, mais regardez, chat. Regardez le décor. Votre cerveau, il arrive pas à le retourner. Et après, une fois que tu le vois dans l'autre sens... paradisiaque. Et merci, Kat, pour les 27 mois, merci. Une fois que c'est dans l'autre sens, tu oublies. Genre, tu dis, attends, mais merde, on est dans quel côté, là? De charbon, je prends ou pas? Ça me le fait tout le temps sur le jeu, moi. Ouais, prends-en le plus possible, ouais. C'est bon, j'ai retrouvé la faille, Thomas. Et par contre, j'ai plus de bouffe. T'as tout fait cuire, toi, ou pas? Ouais. Merci, Tanguy, merci beaucoup. Et tu as récupéré ce qu'a cuit? Oui. Et t'as combien de bouffe sur toi, en gros? Moi, j'ai 7, 8, 9 trucs. Ah oui. Bah, je vais pas aller loin. J'ai 20 de porc, 7 de mouton et 10 de poulet. Ah oui, non, mais c'est bon, c'est largement bon alors. On aura tout ce qu'il faut. Merci Tanguy, merci beaucoup. Attends, tu peux redire la pause, s'il te plaît? Bah, je te l'ai pas dit, tu m'as dit que t'avais pas besoin. Ouais, tu veux la pause du portail? Non, j'ai pas besoin. 206, 2660. Ah ouais, non, pas le portail, la pause de la cascade, quoi. Bah là, je t'ai donné le portail. Mais je t'ai donné à peu près le portail, mais quand t'arriveras, tu verras la cascade, du coup. Donc c'est combien, 206? Le portail, il est en 198, 2668. Je suis perdu. Thomas, un petit effort. Là, ton comportement, il est grave. Pardon. Quoi? Je tourne en rond. Bah, c'est bien. Comment ce que j'ai pu autant perdre? C'est bien là ce que je te reproche. Ouais, je vais fabriquer le saut, les gars. Merci, Chacha, merci beaucoup. Merci, Chacha. Tu sais comment tu devrais te rename? Chouchou, parce que t'es la chouchou d'Arnaud. J'ai adoré, mais où est-ce que t'as trouvé une inspi pareille? T'inquiète. C'est tellement original. Ah, moi, ça déborde, hein. Mais ça fuse de fou, hein. Thomas, tu attends quoi pour répondre dans le groupe avec Show, au fait? J'ai répondu? Non. Si? Non. T'as répondu quoi? J'ai dit je suis chaud et désolé. Bah non, c'est pas toi chaud, c'est lui. Quoi? Bah pourquoi tu dis je suis chaud? C'est lui chaud. Petite vanne. T'aimes bien? Non. Mais je suis dans une boucle! Attends, mais je suis bloqué où là? Je sais pas, calme-toi. Là, Arnaud, je peux pas me calmer. Tu entends? Je suis hors de moi. Non, redescends, remets les pieds sur terre. À force de t'énerver de la sorte, tu vas finir par te perdre. Par perdre ton âme. Tu comprends ce que je te dis? Donc prends pas de risques inutiles. Mon âme n'est plus pure, Arnaud. Si, t'es d'une pureté. Ah, c'est bon. T'es tel un beau diamant. Ok, j'ai trouvé... Un beau petit diamant bien pur. La première sortie. Là, je crois que c'est par là. Bon, bah j'ai pu me faire que 24 fusées avec ce que je viens de farm, moi. Moi, j'ai 8 trucs de creepers. Alors, c'est 190. Merde, j'ai fait du sucre, je me suis gouré. 190, 2600. Ouais, 200, 2670. Voilà, et là, tu sais tout. Est-ce qu'il y a des trucs dont je peux avoir besoin là-dedans? Non, hein, je pense pas. Merde, j'ai pas d'arc. Je n'ai pas d'arc. Il me faut de l'eau. Il faut que je trouve de l'eau. Ah, j'ai vu ton pseudo à travers un mur, je crois. Vraiment? Je crois, ouais. Très vite fait, en tout petit, mais je pense que tu chauffes. Tu vois pas mon pseudo? Non. Oh, y'a deux creepers bloqués, là. Les pauvres. Ils me font une peine sans nom. Ah non, il est tout seul en fait. Je croyais qu'il était deux parce qu'il avait une grosse tête. 200, 2670. C'est par là. C'est bon, je suis en train de sortir de cet enfer. Thomas, je t'en conjure, je t'attends depuis une éternité. Le temps paraît si long quand on est seul. Sans son ami. C'est un véritable enfer d'attendre autant.
Pas mal, Nonoc, je l'ai. Un petit poisson, je l'ai. C'est mieux que rien. Elle est vraiment bonne, celle qui a fait le Merci, mon Tanguy, merci beaucoup. Bienvenue à Elam. Merci énormément pour le sub offert. Ça bon, régale. D'accord, j'ai pas entendu. Thomas, là, je vais partir tout seul, hein. Attends, mais y a 4 creepers là. C'est pour qu'on ait des feux d'artifice? Ouais, des fusées. C'est bon, t'as compris comment ça fonctionnait maintenant? Tu gâcheras plus les fusées? Oui, c'est bon. J'ai du papier, moi, pour transformer en fusée. En vrai, j'en ai gâché 5. C'est énorme. Eh bien, moi aussi, Mathilde. C'est trop beau! Je meurs! Thomas, c'est bon, Arnaud. Ne meurs pas. Bah écoute, je t'attends, Thomas, ça ne bouge pas. Hein. J'ai envie de te dire comme d'habitude, presque. D'habitude. Recommence pas ça. Thomas, est-ce que t'es loin ou pas? Non, non, je suis en train de remonter la cascade. Par pitié, Thomas! Non mais non, c'est pas la cascade là! Oh putain de merde, j'en peux plus. Une heure qu'on a lancé déjà, une heure que je m'attends... Non mais là, je suis dans un endroit avec plein de lampes torches, donc c'est bon. Oui, c'est moi qui ai foutu une lampe torche partout. Ah, je te vois! Thomas, c'est bon, tu montes cette cascade et tu suis le chemin qu'on a fait tout à l'heure. Allez! La calove. Merci Shadow! Allez, je m'en piste. Je fermais des blocs pendant ce temps, comme ça nous fera ça de moins à faire tout à l'heure. Vas-y, champion. Je devrais te voir passer devant moi tout de suite. T'as dit quoi? Y'a pas une touche pour monter plus vite? Non. Bah, si t'es dans l'eau, c'est en nageant. Hein. Arnaud, je te vois! C'est vrai? Oh, super! Donne-moi les poudres de creeper. T'en as que 9? Ouais. Tiens, je t'ai jeté les fusées. Tu les as prises? Ouais, merci. Ok, viens, on a fait moite-moite. Du coup, je t'ai donné tout ce que j'avais aussi. Enfin, moitié ce que j'avais. Maintenant, on se casse. T'as bien un seau d'eau? Oui. Ah oui. Ah ouais? Eh bien, on se barre, hein. On se barre. Attends, c'est... C'est quoi? Thomas, c'est quoi? Tu me fais peur. Est-ce que tu peux me donner de la bouffe? Ça, je peux, oui. Je suis rentré dans le truc, hein. J'arrive. Enclume, ouais, l'enclume, c'est volontaire. C'est pour craft des trucs après. Ah, t'es rentré dans le portail? Ah, oui, s'il te plaît, ramène-moi une épée avant de rentrer. Mon épée est en train de clamser. T'as la torche sur toi? Oui, je l'ai. Okay, attends, je vais remettre un truc, hein. Désolé pour vos oreilles, chat. Ah, tu peux me faire un bouclier aussi? Merci Goji pour le prime. Ça. Je nous farme les perles, moi. Puissance 3, ça c'est puissance 4. Ok, et j'en ai eu que 9 avec tout ça là. Ok, c'est bon, j'ai bon. J'ai tout. Let's go, let's go. Thomas, ça me fait plaisir de te voir. Bah moi aussi. Pour XP, c'est tellement broken ça. C'est quel niveau là? 17. T'as de la bouffe ou pas, Thomas? Oui, tiens. Attends, moi j'en ai au total 7, 8.
Ah merde, attends. Là, vas-y, c'est bon, 7, c'est bon pour le moment, tranquille. J'en ai 16 là. J'en ai, tiens. Ce sera à peu près pareil, on se donnera si on a besoin et voilà. On y va ? Ah. Oh merde, j'ai lancé une aggro sans faire exprès. Toi aussi ? Ouais, je te lance ton shield. Je te lance ton épée. Et cette fois-ci, on part au sud au lieu d'aller au nord, hein, on est d'accord ? Oui. Allez, let's go. Le shield, c'est bon. Et l'épée, c'est bon, merci. Allez, ça part. Merde. Viens, ils nous suivront pas de toute façon dans l'autre monde. De la hauteur, si t'arrives à jeter la perle dans le truc, c'est bon, hein. Ouais, et si je loupe les jeux, si tu loupes, j'avoue, j'avais pas pensé. Ça me ferait tellement marrer, mec. Je pense pas en fourrir. Attends, je peux poser la forge, vite fait, s'il te plaît. Tu veux fusionner un truc ? Ouais, je vais faire mon arc puissance 4. Vas-y, viens, on le rentre. Ah, t'as gardé l'autre puissance 4 ? Le puissance 4, ouais, j'ai mis dans le coffre. Ok, attends, viens, on rentre dans le truc, j'ai peur que la. What ? Ok. What ? What ? Ouais, toi aussi, t'es cogné deux fois avant ? Ça ne veut pas rentrer. Je t'attends. Putain, il y a deux portails à côté. Il y a un autre portail juste à côté. Vas-y, tu me dis quand je peux la ramasser. En gros, il a puissance 4, infinité, solidité 3. Putain, il est insane, mec. Bah, il est parfait, en fait. Il est parfait. C'est bon ? Attends. Et le pack de textures sur les enclumes, il est trop, trop beau, je trouve. C'est l'actuarque. Let's go. Du coup, plein sud. Putain, c'est pas le plus pratique, hein. On coupe par la terre à là-bas, là. Hein, Thomas ? De quoi, Arnaud ? On coupe par la terre là où je suis, là. Vas-y. Parce que sinon, on va avoir direct à faire un pont gigantissime. Gigantesquissime, même, j'ai envie de dire. Ah ouais, il faut flamme. Faut que je trouve flamme, je mets flamme dessus et c'est bon, là, j'ai un arc en or. Ouais, t'as un arc de fou, ouais. Bah, t'as l'arc parfait, en fait, on peut pas faire mieux. Si, on peut faire puissance 5. Oui, mais bon... Quoique, je crois que c'est puissance 4, le max, et protection 5, non ? J'ai un doute. Bon, en fait, je sais même pas. Bon, je nous fais un pont, hein, ouais, visiblement, il faut prendre en face, hein, dans tous les cas. Quoi ? Il y a eu un bruit en mode de... C'est Buxon. Ok. Ah, puissance 5, le max, bah, je sais pas. Tiens, attends. Bouge pas. Ah oui, c'est vrai, tu peux pas avoir flamme et infinité, c'est impossible, j'avais oublié. Bouge pas. Quoi ? Mais t'es un grand malade, toi ! T'es un fou, Thomas ? Je te donne. Kalat, je vais te ban. Non. Si. Quelqu'un a dit, Linka à quel âge ? Et il a dit, je lui donne 33. Allez hop, poubelle. C'est vrai, non ? Comment ça, c'est vrai ? Tu veux quoi, toi ? Je fais 33 ans, Thomas ? Non, tu fais plus jeune, tu fais 25 ans. On me dit toujours que je fais moins que mon âge. Bon, là, en ce moment, je me laisse pousser la barbe, donc je vais faire plus, mais on me dit non, tout le temps que je fais plus jeune. En vrai, tu fais un petit 28. 27-28. Tu penses que je lance, là, Thomas, la perle ou pas ? Pousse-le dans le vide. Mais vous êtes fou, quoi ? Non, mais je suis pas fou. Mais attends, mais ton chat, c'est des gros bâtards, en fait. Non, il y a une personne. Ah, bah vas-y, banne-le. Eux ? Ah bah oui, là, c'est trop grave, ce qu'il a dit. Thomas, tu vas quand même pas laisser passer ça. J'ai pas le choix, Arnaud. Là, on est plein sud ? Ouais, plein sud. S'il vous plaît, un coup de chance et une forteresse vraiment pas loin. Ça mettrait trop bien, genre. C'est une qui nous remette dans le bain direct. Ouais. Imagine, Arnaud. Ça me rendrait tellement heureux, Thomas. Vas-y, on passe par la gauche. C'est la droite, là. T'as un petit souci avec ta gauche et ta droite, en gros, c'est ça ? Ah, putain, je pensais de la plateforme. Il m'a dit ça avec tellement d'assurance en plus. Ouya. Thomas, j'y crois, je pense qu'on va avoir plus de chance que la fois dernière et qu'on va direct tomber dans un truc de fou furieux, là.
Bah, ça se voit, ouais, on a de la chance, là. Bah, attends un petit peu. Oh non. Tu penses qu'on peut le lancer? En vrai, je pense, mais vas-y, je risque pas. Jamais de la vie, on peut. Mais j'aime trop le défi, j'aime trop. Moi aussi, j'aime trop, mais vas-y, c'est trop dangereux, là. Merci, Edgar, pour le sub, bienvenue. Je cours, que je saute au-dessus du vide et que je lance mon underpearl. Non, oui, non, mais en vrai, ça passe, mais vas-y, j'ai peur. On va utiliser nos blocs, moi, je veux pas faire la même erreur. En vrai, non, ça passe pas, c'est trop loin. C'est trop loin, Thomas. Bien, je ferai une session où je vais dans ce monde-là. Avec perles illimitées. Avec perles illimitées et à poil. Et juste, j'essaie de sauter de plateforme. Et on se fait des petits défis. Ouais. Ouais, je suis chaud. Je me suis invité, t'as vu, dans ton concept. Ouais. Ah oui. Comme comment mon concept, Bah, c'est un bête de concept, là. On va faire ça 10 minutes, et après, on va être en... Bon, bah... Ouais, on va te dire 5 minutes 30. Là, c'est bon. Je peux la lancer, je pense. Tu veux vraiment tenter des choses, là? J'ai trop envie de tenter. Mais Thomas, t'as un arc de fou et tout, hein? Ouais, non, tente pas. Si jamais tu veux tenter des folies, tu me donnes ton stuff. Je sécurise. Moi, je ferai plus de folies. C'est bon, ça m'a servi de leçon la fois dernière. Là, je ne tente plus le diable. Plus jamais. S'il vous plaît, donnez-nous une forteresse très très vite. J'ai envie de faire des bêtises là. Bah, il va déjà falloir qu'on farme du bloc, hein. Non, non, j'ai encore. J'ai 4 stacks de bois. On passe par la gauche. La droite, la gauche, j'ai l'impression que c'est qu'un îlot de merde, non? Bah, ouais, mais regarde tout droit. Bah, à droite là-bas, il y a des trucs. Ah, ok, vas-y, bah, go droite alors. C'est long de trouver une forteresse ici. Bah, c'est toi et ta chance, moi j'en ai déjà eu 3 collés. C'est mon record. Vas-y, pendant que tu prépares le pont, je farm des blocs. Comme ça, on optimise. C'est bon, mais farm des enders au pire. J'ai plus que 6 perles, moi. Bah, c'est bon, on a le temps. Hein. Vas-y. Merci, monsieur Bobby, pour le set, bienvenue. Les blocs, c'est le plus chiant, en vrai. Monsieur Bobby, t'es un gros beau gosse. T'aurais dû t'appeler monsieur beau gosse. Monsieur Bobby qui participe à notre sub goal fou furieux. Fou allié. Thomas, sub goal de 500. J'arrête pas d'y penser, je te jure. J'en parlais pas plus tard qu'hier avec Johnny et on s'est dit que c'était une pure idée. Et j'ai envie, très envie. Merci Kalat, merci beaucoup pour le sub offert à Kalen. Quoi? Quoi? J'ai lancé la perle, mais fais Bélec, la lance pas trop loin. Pourquoi c'est du vide derrière? Bah attends, je l'ai lancé d'où? Bah attends, je suis où? Bah wesh! Attends, t'es en quelle pose, Arnaud? Oh ah, mais là, on est en face, il est con quoi? Mais attends, mais on vient d'où? Bah de tout droit. T'es pas allé si loin que ça? Perdu, je sais pas d'où je viens. Non, c'est bon, suis-moi, là, on est dans la bonne direction. Ok. Ah, là-bas, on peut, c'est connecté. Let's go. On reprend la route du sud. Normalement, oui, c'est bon. Sur Minecraft, on est connecté. Le pire, c'est que j'ai reconnu le rappeur que tu imitais. Je l'ai pas imité. Si, si, t'as imité. C'était pas compliqué. Ouais, c'est vrai. Il suffit de découper ces mots. Oh là là, la traversée de zinzin qu'il faut faire là. Putain, Thomas, c'est le pire truc. Vas-y, je farme les blocs. Tiens, attends. Je te donne déjà ça, tu vas en avoir besoin. C'était chaud, OMG. Prends. Ouais, j'arrête là. Hey, Solinka. Merci, Teuf, pour le. Oh non, vas-y, faut aller trop loin. Merci beaucoup. Imagine là mon doigt il rip, je lâche la touche shift. Là teuf, l'aventure on n'y tient pas du tout et on n'est pas du tout attaché et on l'a commencé il y a pas du tout longtemps. Donc vraiment, d'avoir dit ça, garde tes sous, t'inquiète. Ok. Ça va alors, ouais ça va. C'est parfait. Bisous teuf, bon live à toi, profite bien. Faut que le bois part vite hein. Profite bien tranquille.
Tu veux des blocs encore, Thomas, ou pas? Pour traverser? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, bah je reste un peu, voir si vraiment t'es pas... Ok, ok, t'inquiète, t'inquiète. Mais dites tous au revoir à Teuf, les gars, il a une grosse journée aujourd'hui à faire, il va partir. Merci Bobby pour le sub, merci beaucoup. Tu fais quoi, Thomas? Et Bobby, tu sais que ton pseudo, il rime avec beau gosse. Mais ouais, c'est Bobby de BG, en fait. Fais des dalles. Ils sont trop smart. Mais oui, putain, en plus, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est con. On est trop con. Merci, le phénix. Même en pierre, on peut faire des dalles, en fait. J'avoue, on est débile, Thomas. On aurait dû faire ça depuis le départ. Tiens, attends, continue, vas-y, pas, t'as peur de tomber? J'ai marché tout doucement. What, c'est quoi ça? Ah non, putain, c'était trois Enderman collés, j'ai cru qu'il y avait un truc de fou, genre. Une nouvelle bestiole. Attends, mais là, on peut traverser, Thomas? Non. Ok, ok, on le tente pas. Je pense que oui, mais j'ai peur. Vous êtes hardcore? Non, on n'est pas hardcore. En gros, quand t'es hardcore, tu vois les cœurs qu'il y a en bas à gauche, mais il y a des genres de barres noires dedans. Là, c'est bon, Thomas, je te jure. Là, vraiment, c'est bon. Tu viens? Plein sud, allez, let's go. Non. Thomas, t'es... Thomas, comment ça t'as fait clic gauche? Non. Mais attends, mais je comprends pas, si tu fais clic gauche, il se passe rien. Pourquoi t'es mort? Thomas! Réponds-moi, putain de merde! Mais Thomas, pourquoi t'es mort en faisant clic gauche? Ça tue pas! Justement, c'est ça le problème, c'est qu'il s'est rien passé. Non, t'as fait ta vie technique où tu cours et tu sautes dans le vide? Ouais. Mais t'es un putain de débile, ça sert à rien, je t'ai déjà expliqué. Oh là 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 là. Bon bah Teuf, tu vois, garde tes richesses et tes Rolex là, tu vois, y'a même plus besoin, il s'est délaissé tout seul ce jeu. Je balance la perle et ça a pris trop de temps. Putain. Non, j'avais un stuff, vraiment, j'ai jamais eu un stuff comme ça. Mais oui, t'es vraiment un troller, t'es vraiment un troller. Thomas, je jure, tu déçois là. On a posé tous les trucs auxquels on tenait exprès pour faire ce voyage. Et toi, t'as pas posé ton putain d'arc. Et nous voilà là. Arc. Oh non, mon arc, infinité puissance. Mais oui, Thomas, là, tu me déçois trop. Putain, et en plus, j'ai sacrifié mon arc pour toi. Je suis anéanti. Je suis anéanti. Le pire, c'est que là, on peut pas se rejoindre. Hein. T'es au courant ou pas? Moi, je suis bloqué dans l'autre monde là. On fait comment, Thomas, en vrai? Genre, pour se rejoindre, comment on fait, là? En plus, on a la poisse, y'a pas l'air d'avoir de forteresse. Y'a rien qui... Y'a pas de forteresse, y'a rien qui va, j'ai envie de chialer. Non, j'ai tout perdu. Pas. Thomas, tu ne chiales pas. Je vais chialer en live, je vais chialer. Tu me retiendras pas. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mec, je pensais que j'avais la range. Du coup, j'ai fait comme t'as fait pour me foutre de ta gueule. J'ai fait le truc où je saute dans le vide avant de jeter une perle. Et la perle, elle s'est cognée sur le bord du truc, je suis tombé. Thomas, on fait comment là? Thomas, écoute-moi bien. Thomas, on est à poil. On a farmé de la bouffe, on a tout farmé pour l'XP, on est mort au bout de 10 minutes tout seul. Thomas, écoute-moi, je vais te dire un secret, d'accord? Est-ce qu'on irait pas faire un nouveau biome, un nouveau monde? On recommence.
Non, on recommence pas. Thomas, on a rien. Mais si, on a déjà des trucs. On a du diamant en bas, on a des trucs. Là, Arnaud, ce que je propose... Thomas, c'est quoi ce bordel? Pourquoi on se fait péter la gueule? Je sais pas pourquoi il est descendu. Oui, oui, c'est vrai, on a tout, on va pas recommencer. Non, on peut pas recommencer. Ce qu'on peut faire, Arnaud, c'est là, on récupère les diamants, les ressources, on déménage. Oui, on oui, oui, on a, elle nous porte trop la poisse. Là, on prend nos c'est diamants là. Et on se casse, on cherche un endroit pour faire notre, une nouvelle maison. Voilà. On fait un départ à zéro, c'est bon, vas-y, c'est décidé. Je descends, là, je vais chercher le diamant. Je vais chercher le diamant, on se casse. Thomas, je veux plus entendre parler de cet endroit de malheur. Cet endroit, on se tire, y a rien de bon pour nous ici. Je veux qu'on se fasse une maison avec des trucs bien après. Dans la prochaine zone, là c'est bon. Teuf, il s'est pointé, il a juste porté l'œil en étant là. Il a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Il y a des mauvaises alors, là, ondes. On a saboté tout seul notre monde là. Mais oui. Putain. Il y a des mauvaises ondes. En plus, j'avais déjà prévu les négociations de fou là. Là, j'allais nous prendre une Rolex chacun et une maison avec vue sur la mer. Putain, c'est dommage. Ton négociation, même. Ouais, je sais pas, tu penses que c'était des négociations un peu trop hautes, genre? Bah non, en vrai, pour d'autres parties, ça valait au moins ça. Regarde la gueule de la partie, c'est une partie d'ouf. On n'a plus rien, je suis dépité, la mort, elle pue sa mère. Là, c'est vraiment la boulette, là. Hein. C'est la vraie de vraie. Juste, je me suis seum, elle me dit... C'est trop le seum. J'ai perdu, mais c'est mon truc. Mon stuff de baiser. Mon arc et tout. Arnaud, y'a pas un petit truc, une commande, un rollback là, un truc plus. Non, non, on triche pas, on a toujours dit qu'on trichait pas. On triche pas. Putain, et du coup, ici, on avait laissé que le stuff en fer de merde. Y'a plus que le stuff de merde. Y'a des livres. Bon, on a quand même encore un livre puissance 4. Thomas, arrête d'essayer de te remonter le moral, on a plus rien, c'est vraiment de la merde là. Prends un lit. Prends-toi un lit. Prends les trucs, putain, je suis dépité la vérité, hein. Tu sais quoi, il faut le prendre avec le sourire, cette expérience. Il faut la prendre avec le sourire, tu vois. Comment tu veux prendre ça avec le sourire? Je sais pas. Il m'a dit ça en pleurant. Je sais pas. Je sais pas comment faire. Vas-y, Thomas, on remonte, on se casse. C'est bon, là, on va chercher, on déménage. On cherche une putain de nouvelle maison. Ouais, vraiment, on cherche une zone de baiser. La zone que j'ai dite, c'est avec les fonds marins, là. En plus, avec le shader, ça doit être incroyable. Et on se fait une baraque de baiser là-dessus. Vas-y, on se casse, on fait une maison de fond. Notre objectif de ce... La vue sur la mer, on va la voir, mais sur Minecraft. Ça me va. Objectif de ce live, on se fait une maison de zinzin vue sur la mer. Voilà. Allez, viens, on se casse. Thomas, on remonte à la surface et on se casse. L'œuf. Quoi l'œuf? Pourquoi l'œuf? L'œuf de dragon. On a laissé l'œuf de dragon. Vas-y, les gars, on en a rien à foutre de l'œuf de dragon. On en chopera un, c'est bon. Fuck le dragon, fuck cette zone. Je veux rien qui me rattache à cette zone. Je le prends quand même. J'ai lu l'œuf et j'ai cru que c'est débile, il marquait teuf et il se trompait, genre. L'œuf. C'est comme l'Inca avec la pétrophe. Allez, viens, on se pète d'ici. C'est bon, il y en a plein le cul. En fait. Arnaud, on est bien, hein. Mais non. Vie de merde, aventure de merde. Non, on est pas mal. Pourquoi? Je m'explique. Oui, nous avons... Ah, en vrai, on aurait été Gucci... Non, mes chaussures, elles transforment l'eau en glace. On a 22 diamants. Putain de merde. 22 diamants, plus un peu de stuff en diamant, des livres. Merci, Cyril. Oui, on est passé pas si catastrophique. Merci, Cyril, pour le sub. Ça fait un sub de plus vers l'objectif mystère incroyable. Tu sais quoi? Il y a ça qui devrait au moins nous remonter le moral, Thomas. Je trouve plus la maison. Thomas, je vais mourir sous l'eau. Eh, viens m'aider, s'il te plaît, Thomas. Eh oui, non, mais attends, comment ça a pu dégénérer aussi vite? Attends, mais merde, il est où l'accès à la maison? Merci, notre Flo. Merci beaucoup. Sidienne. Thomas! Oui? Mais où est la maison, s'il te plaît, aide-moi. Mais t'es où, là? Je suis sous l'eau, je cherche le trou. Mais attends, putain, c'est quoi cette merde? Le trou de la baraque? Mais oui! Thomas, je vais encore clamser. Arrive. Tu vas pas mourir noyé quand même. Si. Retourne d'où tu viens. Je me rappelle plus. Je crois que c'est là. Attends. Ok, c'est là. C'est bon, j'ai retrouvé d'où je viens. Là, viens. Descends dans l'eau. Ouais. Ok, putain. Merci. Allez, Thomas, viens, on se barre tout de suite. Dis oui. Oui. Et il faut pas qu'on oublie de chasser tous les trucs qu'on croise aussi pour la bouffe.
On récupère des... de quoi? Bah faut qu'on chasse tout ce qu'on croise pour la bouffe. Ah bah là oui. Je pense, moi je propose, on fait un bateau et on se casse. On prend de large. Pourquoi ils marquent tous biome E? Biome E? Je sais pas. Je sais pas non plus. Merci en fait, merci beaucoup. Oh, t'es le meilleur. Ils se foutent de ma gueule. Ah, bien, dommage. C'est... Ok, my bad. Et 8 stacks de livres, là, ça fait peut-être beaucoup, non? Regarde comme c'est beau, Thomas. Regarde comme c'est somptueux, l'endroit où on est. Oh, t'as une pioche en diamant? Oui. Tu peux m'en faire une aussi? Oui. Je suis si triste. Thomas, c'est pas grave. On s'est reculé pour mieux sauter ce qui vient de se passer. D'accord? Ça va très bien se passer. Tiens, dans le coffre, il reste des trucs là. Si tu... Je sais pas si toi tu vois peut-être des trucs rares ou autre. Attends, je vais voir. Je vais regarder. Toi, je veux bien que pendant ce temps, que tu ramasses la table d'enchantement. S'il te plaît. Et que tu me fasses une pioche en diamant. Ok? Oui. Merci Cruchot pour le prime, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. T'en avais pas entendu avant 17, après un début de live tumultueux, nous partons à l'aventure à la recherche d'une nouvelle maison. C'est la fin, Arnaud. Bisous à tous et merci pour le soutien, merci. C'est si triste là, on doit partir en slip. Thomas, c'est pas grave. On est venu en conquérant, mais on part la queue entre les jambes. Non, on part pas la queue entre les jambes, dis pas ça. Là, on repart plus fort que jamais. On est plus fort que never. Thomas, je parlais tout seul, j'étais mute. Mais on est plus fort que jamais, je te disais. On est plus fort que jamais. Bob, merci on beaucoup. Est plus fébrile que jamais. Merci énormément, vraiment, c'est trop gentil. What the fuck? Merci Kiza pour le bref. C'est bugué ou il y a eu deux fois 100 subs? Je sais pas si j'ai bugué, c'est une vraie question. Arnaud, j'en fais un stuff en fer. Hein. Je sais pas s'il y a eu deux. What the fuck? Arnaud? Attends, Thomas, j'arrive. Ah, ok. Y'a Tuffer qui fait des bêtises. Oui, j'ai compris. J'arrive. J'ai what the fuck? Agité. 300. What the fuck? Mais. Attends, Tuff, wesh, par contre. Tuff, tu nous fais une sardoche ou quoi là? Bon, on a rien, j'ai envie de gagner. Là, vraiment, on a foutu la partie en l'air. Je sais même pas quoi dire. C'est important. Je sais même pas quoi dire. Mais wesh. Merci Tuff, merci du fond du cœur. What the fuck? Pour info, Tuff il a fait 5000 subs comme ça chez Sardoche. Attends, Tuff, j'ai une vraie question avant de. Putain, mais... merci du fond du cœur, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas si j'ai déjà eu un train de live aussi rempli de toute ma vie. En vrai, c'est pas la fin, on a déjà fait. De toute façon, tu sais que je t'aime. Et merci du fond du cul, mais. Est-ce que t'as déjà fait? La crypto tombe tellement que j'ai plus rien, j'ai pas eu le temps de voir. Merde, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a trop de. J'ai plus rien à perdre. Non mais là ça n'a aucun sens, merci mille fois vieux. Merci énormément. Est-ce que t'as fait 100 par 100 pour les 5000 subs à oui, je, par à contre on doit être à chef là. J'ai besoin de savoir. Ça fait 10 minutes qu'il est fait. Mais comment t'as fait? Merci mec. Thomas, il y a Tuff qui m'a offert 500 subs. Waouh, oui d'accord, je comprends pourquoi il y a une aussi grosse pause. Du coup, moi j'ai l'objectif de sub. Bon bah oui, toi tu connaissais en 500 subs cash comme ça là. Et tu sais, du coup, on était en train de parler de quand il a fait. Tu sais, je t'avais dit qu'il avait offert 5000 subs à Sard. Oui. Bah il les a fait 100 par 100. Imagine le temps que ça a dû lui prendre. Ah bah oui, c'est 100 max, oui. Bah des fois j'étais sur le stream de Sard, ouais, je voyais des coups de 100 subs. Mec, merci énormément en vrai, Tuff, t'es un fou. Ah bah c'est long. Hein. Merci mille fois. C'était long en effet, ouais, j'imagine. Mmh. Tuff, tu sais que grâce à toi, un jour, je vais acheter une Rolex. Je te le jure, je te la dédicacerai. Je ferai graver Tuff à l'arrière. Merci, mon vieux, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux faire une pioche efficacité 3. Ah, mais non, on a plus de temps. Fais rien. Viens, on part avec ce qu'on a, on se casse là. On perd pas plus de temps, on se pète. Tu m'as fait juste une pioche ou pas? Parce que j'ai besoin d'une pioche, moi. Merci. Et t'as pris des livres? J'ai 4 stacks de livres. 4 stacks? Vraiment, merci énormément, Tuff. Enfin, franchement, je sais pas quoi dire. C'est vraiment énorme, 500 subs. Bref, j'ai jamais eu ça, je crois. Personne n'a jamais offert 500 subs d'un coup. Il faut qu'on fasse un bateau. Ça n'a aucun sens. Merci, mon vieux. Merci beaucoup.
Bah, on va prendre là ce qu'il faut en deux secondes, hein. Attends, il a combien de subs là? Je pense que c'est... De quoi? Il a combien de subs donné là? Ça a pas bougé, ça a bougé. Je remercie Logique. Oui. Je ferme le bois, on a pas besoin de prendre de faire de bateau ou quoi. Enfin, on fait juste un bateau à l'arrache et on se casse, non? Oui, oui. Non, mais c'est pour ça, fallait juste faire un bateau quoi. T'as pris des livres ou pas? J'ai 4 sacs, je t'ai dit. Ah, ok, ok. Je suis un peu plus, je t'ai demandé. J'ai 4 sacs, j'ai. Moi, j'ai tout, j'ai. Vas-y, bah. Diamant. Et le fer. Oh, je viens de découvrir un truc que je savais pas. De quoi? Quand tu fais clic gauche pour build un truc, tu sais, ça te pose tout tes. Ça te divise toutes tes ressources. Mmh. Et si tu fais clic droit, par contre, ça te fait que une fois. Quand t'as tout, oui. Quand ouais. T'as toutes tes ressources. Bah, je savais pas, moi. Je savais pas. En piste. Faut qu'on tue ce qu'on trouve aussi sur la route. Hein. Ouais, ouais, faut vraiment qu'on prenne de la bouffe. Merci, Pat. Merci beaucoup. Bienvenue. Et bienvenue aux 500 nouveaux subs, du coup. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Thomas, je suis prêt. Je suis en bateau. Je n'attends que toi. Prêt. Allez. On est parti pour une nouvelle zone, une nouvelle aventure. J'ai envie de te dire, here we go again. Ouais. C'est la troisième fois sur serveur. Hein. Le serveur, c'est la troisième il est fois maudit. Qu'on pseudo recommence. Hein. Le serveur est maudit. Merci Michel à quatre pieds. Ça se passe jamais bien, genre à chaque fois. Ah mais oui, on n'a pas besoin de bateau, Thomas. Pourquoi? Le bateau il est bloqué sous la glace là. Il y avait de la glace, j'ai même pas. Mais wesh, mais pourquoi il y a de la glace? Regarde. What? C'est l'enchantement de mes chaussures. C'est stylé de ouf. Ah ouais, c'est trop stylé. Mais du coup, viens, on va faire avec ça. Il est incroyable le truc. Ouais, c'est trop trop stylé, vraiment, c'est vraiment stylé. Théma, mes chaussures. On va par où, Thomas? Moi, je suis dépité. De quoi? On va par où? Je sais pas. Focus, il me dit... T'as vu ça pour une fois? Il s'en sort ça, mais je suis même pas obligé de délaître le serveur, c'est un vrai bonheur. Ça, ça fait plaisir, par contre. C'est quoi le nom de l'enchante? Semelle givrante, je crois. Oui, c'est ça, semelle givrante. Ok, ok. Par contre, Thomas, moi j'ai besoin de bouffe là. Hein. Déjà. Bah oui. On fait quoi? Tiens, j'ai deux de pain. Quoi? Mais c'est trop la loose! C'est tellement la loose. Je vais grailler mes carottes dorées, je sais pas ce que ça donne. Mais en vrai, oui, on va les grailler, hein. Ah mais non, c'est juste un plat, c'est de la merde. Je pensais que ça donnait des trucs en plus, comme la banane. La banane, moi, la pomme. J'ai deux pains, il a dit. Oh non, c'est vrai qu'il faut pas sauter. Ça va plus vite, le bateau, non? C'est ce que je me suis dit, ouais. Oui, non, c'est clair que Tuff, il rend bien. J'ai vu quelqu'un qui dit... qui donne vraiment à fond au stream game et tout. En vrai, oui, il régale de fou, c'est incroyable. Genre, on se rend pas compte, là, mais... Là, il y a le secteur, ouais, non. Enfin, si, on se rend compte, en fait, 500 subs, les gars, je sais pas si vous réalisez. Et là, du coup, si on veut trouver un... Ça fait 1600 balles, quoi, pour un autre... Mon dieu. Ender, faut qu'on aille loin, parce que là, la porte, ça doit être celle-là, non? Ouais, je pense que la prochaine, elle est bien loin, ouais. Thomas, on devrait utiliser le bateau. Je pense aussi. Ça va plus vite. Vas-y, on se pose sur la terre ferme, on se refait un bateau, ok? Ça va plus vite, on n'utilise pas de graille. Mais attends, Teuf, je sais pas si t'es encore là pour lui, mais pourquoi t'as donné 5000 subs à Sard? Genre 5000? Tu t'es dit quoi dans ta tête? C'était quoi la raison? 1600, bah ouais, c'est pas 400 euros les 100 subs, 4 et 4, 8 et 8, 16, ça fait 1600. C'est pas compté ou quoi? T'as pris l'échelle cœur, Arnaud? 5, merde, my bad. 2000, my bad. Non, j'ai pas pris. T'as pris, toi? Non. Ok, bah je me doutais que si tu posais la question, c'est que t'as... Ça fait quoi ça en fait? Je sais pas ce que ça fait, mais ça crée bien, des coffres que tu peux porter. Genre, ça fait des coffres portatifs. C'est ultra broken. Oh, mais pourquoi on a pas pris? J'ai la flemme d'y retourner, moi, Thomas, vraiment. C'est bah bon, oui, hein. Bah oui. Oh, tout ce qu'il y a à bouffer! Thomas, il y a de la bouffe partout! Il y a plein de bouffe! Oh là là! Oh non, j'ai l'enchantement qui propulse. Les trucs que je tabasse sur mon épée, c'est pas du tout pratique. Je sais pas, je passais toutes mes journées et nuits à le regarder. Ok, c'est une bonne raison. J'ai pas de place en fait pour prendre la viande. Je prends que le porc, moi.
Moi aussi, je regardais pas mal Sard quand pendant son rush et tout ça là en Corée au début. Mais en vrai de vrai, ça me, je sais pas, je le trouvais dur à regarder genre. Tiens, il y a du mouton là. Regarde mieux ton inventaire. De quoi? Je les ai. Tu les as pris? Oh oui, je les ai pris. Oh let's go. Ça c'est giga clutch hein. Oh j'avais pas fait gaffe. Je les ai pris. Oh là là, oh, let's go, t'as été tellement malin. Oui, parce que je pense qu'en vrai de vrai, si je les avais vus dans le coffre, je les aurais pris en réalité. Parce que j'ai checké tous les coffres et tout avant de partir. Mais dégage le zombie, personne t'aime. Eh ben voilà. Eh ben voilà, voilà, il a eu ce qu'il mérite. Ok Thomas. Viens. Arnaud, l'aventure nous sourit enfin. Oui, l'aventure nous sourit. Est-ce que tu as du de la pierre? Non. Il nous faut de la pierre. Il faut qu'on fasse des fours. À chaque fois que l'aventure nous sourit, après elle nous désourit vite fait. Il y a une sorcière, je vais la démonter. Ouais, tu peux, ça fait rien. Tu peux. Putain, j'aimerais bien pouvoir voir mieux les messages de teuf quand il y en a du coup, parce que ça se perd dans tous les trucs. On est au sub goal mystère du coup. Attends, est-ce que du coup je leur annonce le sub goal mystère ou pas? Non, je l'ai pas fait encore. Ah oui, c'est vrai. Non, bah non. Je ne vous annonce pas le sub goal mystère, chat. Ah oui, mais de toute façon, on a dit qu'on annonçait pas et qu'on faisait la surprise que le live, plus, il allait pop d'un coup sans rien dire. On lance le live sans prévenir. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Dans ma tête, on partait sur un reveal, mais non. Vas-y, viens Thomas, on va aller faire cuire la viande et tout. Vas-y. Live Just Dance de la 11. Non, c'est pas un live Just Dance, teuf. On a dit que le live Just Dance, on le ferait plus haut, enfin plus loin en objectif du coup. Genre en mode, c'était un truc pour changer. Genre, je sais pas ce qui est marqué, sub goal mystère, tu vois. C'est un sub goal mystère, c'est pas le Just Dance. C'est un, mais tu sais quoi, vu que tu as participé plus que copieusement, teuf, je vais t'envoyer un message pour te leak le truc. Mais s'il te plaît, dis pas en live. Genre, dis pas au chat ce que c'est. Attends, je vais t'envoyer tout de suite. Thomas, tu peux farm pour qu'on fabrique un four ou pas? Pour faire cuire tout ce qu'on a chassé? Vas-y. J'envoie juste le message à teuf pour lui dire. Oh. Voilà, c'est bon. Teuf est dans la confidence. Thomas, je vais bouffer une pomme en or. Ah, mais putain, ça soigne pas. Ça remplit pas la bouffe, ça remplit que la vie. Ah, donc un live on tub avec du slot, pas mal. Teuf, t'es vraiment un bâtard. Ça dégoûte un peu, genre. On devait pas le dire, ça dégoûte, il l'a dit. Putain, fais chier. Tu trouves, Thomas, ou pas? J'arrive avec toi. Ah là, il y a de la pierre, là. En vrai, notre troll, tu trouves que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que ça va être vraiment, vraiment cool, moi, à suivre. Ouais, ça peut être cool. Ok, tant mieux. Mais moi, je pense que c'est pas ça peut et que ça va être. Ça va être très cool, même. C'est original. Thomas? Thomas, je peux crafter le truc. Thomas est muté. Merde, putain, je pars dans le vide. Ah ouais, totalement. Oh non. Ça fout trop le seum quand ça arrive, ça. Putain, mais oui. T'as de quoi faire une table de craft, je voulais dire. Ouais, GG. Okay, mais oui, de toute façon, le live, on le fera à poil, teuf. C'est prévu. Ça fait partie du projet. Oh, mais t'es mal, la glace, elle est encore là. Là où j'ai marché avec mes chaussures. Ouais. Parce que tout à l'heure, je crois que ça a fondé et là. Il y a un creeper qui nous arrive dessus. C'est la merde. Ah. Vas-y, on peut mettre à cuire. J'ai déjà le charbon, j'ai tout. Ouais. Ah, t'en as craft aussi? Ouais, j'avais fermé pour ça. Tiens, ok, c'est bon. Ça. Attention derrière toi! T'as vu, j'ai l'enchantement qui propulse les mobs.
Du coup, pour les creepers, ça, ils peuvent pas te... Pour les creepers, c'est pratique. Après, les creepers, en deux coups critiques, tu les tues. Tu sais, tu fais deux CC. Merci Célia, je sais plus si je t'ai dit merci. Merci mille fois pour les 200 bits. J'ai appris aujourd'hui le décès d'un de mes proches. Et je sens et j'espère que ton rêve va me redonner un peu le sourire. Putain, bon courage, c'est vraiment pas marrant quand ça arrive. Hop, ok, c'est bon. Bon courage à toi, malheureusement, ça fait partie de la vie et j'espère qu'on arrivera à te changer un peu les idées. Merci mille fois pour les 200 bits, vraiment. Et force à toi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis tombé. Viens, on prend tout ce qui cuit, après on divise la grille. Prends le mouton, je prends le porc. Ok, alors attends. Comme ça, on se... Sinon, moi j'ai plus de place. Enfin, j'ai de la place que pour un truc, quoi. Le mouton. Ok. Ok, ça va. Faut qu'on refasse un bateau. L'autre, il était resté bloqué sous la glace. T'as du bois qui te reste ou pas? Un petit peu, ouais. Mais on va aller en farmer vite fait, non? Vas-y, attends, je vais nous en farmer. Prends la bouffe et tout, tranquille. Vas-y, vas-y. Enfin, quoique, tu peux farmer du bois aussi, en fait, parce que la bouffe, le temps qu'elle cuise... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme ça, on optimise le temps. Profite-en pour faire ta shulker box. Je sais pas comment elle marche, celle-là. Ah oui, alors en gros, tu craftes un coffre. Et après, dans la table de craft, tu mets ton coffre et tu mets un bout de shulker au-dessus et un bout de shulker en-dessous. Mais putain de merde, il est immortel ou quoi, cette raclure-là? T'as dit quoi? J'ai pas compris. Tu craftes des coffres, déjà. Merci, Matoche, merci beaucoup pour les 6 mois, c'est adorable. Craft, je viens de tourner la tête et je vois en dessous du coup en bas à droite sub de la session 536. Ok, ok. Ok. Je pense qu'on est sur un des records. Hein. T'as crafté les coffres du coup ou pas? Ou je le fais? Je prends du bois alors. T'as combien de morceaux de shulker box? 3. Ah merde, putain, il nous aurait fallu 4. Bah c'est pas grave, on va en faire un, c'est déjà bien. En plus, toi, t'as dit que ton inventaire était full, là? Ouais. Ok. Les côtelettes, elles ont fini de cuire. Et le mouton, presque aussi. Vas-y, fabrique un coffre. Genre, craft-le, juste un seul. Le mouton, il y avait que ça? Ouais, mais j'ai ramassé déjà. Ah, attends, les côtelettes, non, j'ai, tiens. J'en ai 7. Pardon, j'ai ramassé ça fait 15, en vrai, on est bien. Par réflexion, on est pas mal. Tu me dis quand t'as fait ton coffre? Là, j'ai 4 coffres. Ok, non, il en faut qu'un seul. Oui, mais il faut... Vas-y, maintenant, mets-le dans la table de craft, tu mets un coffre au milieu, et tu mets au-dessus un bout de shulker et en-dessous un bout de shulker. Boîte de shulker. Ok. Après, ce que t'as fabriqué, pose-le par terre. Tiens, attends, j'ai été une tombe. Je pose. Vas-y, maintenant remplis-le de tout ce que tu veux garder, les trucs rares. Attends, je mets aussi des trucs chers dedans. Ça, l'autre bout. Prends que les trucs rares et importants, genre. Voilà, et maintenant, ouais. Attends. Ah non, c'est bon. Et maintenant, paf, et hop. Et voilà, du coup, dans mon inventaire, j'ai la shulker avec tous nos trucs. C'est cheaté, wesh. Ouais, ah, c'est cheaté. C'est trop trop bien, mec, c'est trop trop bien. Et après, si tu le reposes dedans, bah t'as tout. Mais c'est trop bien ça! Ah bah, mais mec, c'est insane! Attends, t'as pris un lit toi avant en partant ou pas? Oui. Ok, ouais, moi aussi. Ah, c'est pas grave, Focus, c'est pas grave, on va faire avec pour le moment et voilà. Hein. On va attendre la sortie d'Optifine. On peut mettre un lit pour deux, hein? Oui, c'est vrai. Je jette un peu mes trucs, moi. Je garde les os quand même. Ouais, ça, c'est un sac à dos en gros. Ouais, voilà, oui, exactement. Ok. Vas-y, ben on peut repartir en vrai poulet si tu veux. Ouais. Excuse. On vient d'où nous? Là-bas. Ouais, là-bas. Vas-y, go là-bas alors. J'ai 20 côtelettes moi, t'as combien toi à bouffer? 15. Mais j'espère qu'on va vite trouver un endroit qui peut être stylé pour faire une maison. Parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment pas de chance sur les biomes là dans celle-là d'aventure. Ben l'aventure elle pue un peu du cul hein. En vrai, y'a rien pour nous. C'est vrai. Tu viens ou pas? Non. Ah oui, putain. En piste. Allez, faut qu'on ait de la chance, là. Qu'on arrive direct dans un biome de fou stylé. Et voilà.
Reset, non, 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 pas de reset. C'est mort. On est quand même bien, on a fait plein de trucs sur l'aventure et tout, c'est dommage. On va pas la reset. Vous avez des élytres Ah bah non. Non, il m'en restait un bout d'élytre, mais non, je suis tombé dans le vide tout à l'heure. J'ai oublié. Bah non, on avait les élytres, putain, et les glands. Y'a rien, on a rien là. Bah en gros, notre aventure, elle est niquée quoi. Mais dans deux lives, elle sera à nouveau comme sur des roulettes. Surtout que maintenant, mine de rien, on a une bonne base pour farmer tout là. On a une bête de bonne base. Comment ça, on a une bonne base? Ah oui, c'est comme ça. J'ai loupé quelque chose aujourd'hui. Oui, tu as loupé des grosses bêtises. quoi dire de plus? Comment tu résumerais notre live à quelqu'un qui vient d'arriver, toi? Nouveau départ? Ouais, voilà, nouveau départ, nouvelle ère. Nouvelle ère, c'est une nouvelle ère, quand on avait envie de vent frais. Un renouveau. Vas-y, mais j'ai l'impression qu'on est dans une boucle. J'ai l'impression qu'on a passé trois quarts d'aventure en bateau à chercher une maison. On est à 15 heures de game et on est au même stade. Vraiment, vraiment. C'est la cata. Allez, let's go. Mais attends, mais j'ai pas de pantalon, tu m'as pas dit que j'étais en slip. Attends, on continue à chasser tout ce qu'on voit, on est d'accord. Oui, par contre, oui. Salut, petit poulet. Hop là. Si on voit les creepers, on devrait les tabasser aussi à chaque fois. Quoi? Regarde la faille à droite. Oh, c'est trop beau avec l'arbre au milieu. Oh, et t'as vu la cascade? Ouais. Ça a l'air d'être joli, mais vas-y, c'est encore une île, quoi. Ouais, les îles, y'a rien. C'est ça, y'a rien du tout, genre. C'est un peu le problème. Parce que, vas-y, la faille, elle est belle, mais bon. Quand tu vois ça, t'as pas trop envie d'aller au fond pour voir? Si, j'ai toujours envie de sauter au fond. Ouais, moi, tout le temps aussi. Allez, viens, on se casse. Faut qu'on trouve... Putain, en fait, faut qu'on arrête les îles. Pourquoi on a que des îles? Thomas, on est poissard. Eh oui, on a la poisse. Oh, désert, notre premier biome désert depuis le début. Ah, c'est vrai? C'est pas un biome désert en fait. Ah non, c'est juste une plage. C'est une plage géante. Ou un mini désert à voir. Merci Super Tron, merci beaucoup. Bienvenue à Hysteria. Ah si, c'est un bout de biome désert quand même. Bah, je sais pas trop si ça se veut être du désert. Hein. C'est tellement petit. Bah, ça ressemble à du désert, mais miniature quoi. Et là, on est reparti pour aller à la mer encore pendant deux jours. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Thomas, on est cursed. L'aventure est cursed, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait en vrai, là? Bah, on n'a pas le choix. Faut qu'on prenne le bateau, on cherche. Merci, Ostalia. Merci beaucoup. Merci et bienvenue. Merci pour les 22 mois. Thomas, 22 mois, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui sub 22 mois, toi? Merci Ostalia d'être aussi fidèle. Félicitations à toi. Oui, bravo. Au nom de toute la communauté, nous sommes tous très fiers de toi, de ton implication oui, et de l'amour fierté que tu nous portes à tous. Tu nous rends fiers, voilà. C'est vrai. En vrai, c'est mieux de recommencer, non? Je vous dis la vérité, moi je pense qu'on aurait dû recommencer. Non. Mais on a quand même quelques trucs importants, genre. On a du diamant, on a une shelter box. En fait, ça revient au même, recommencer ou quoi. La seule différence, c'est qu'on pourrait potentiellement arriver sur un biome qui est bien direct et pas avoir à se faire chier pendant 10 jours à trouver un biome bien. Oui, c'est ça. En soi, recommencer, ça sert pas à grand chose. Bah, ça change juste la RNG de départ. Non, mais même pas. Vas-y, de toute façon, on va leur montrer cette aventure. On va la plier en deux, c'est tout. Recommencer, c'est pour les faibles. De toute façon, là, regarde, on part en bateau, on va dans un nouveau biome. C'est comme si on avait recommencé, sauf qu'on a du stuff déjà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Enfin, sauf que d'habitude, c'est rare quand même qu'on arrive... Moi, tu te rends compte qu'on n'a pas eu un seul biome terrestre depuis le début? Genre, on a eu que des îles. Sur cette aventure, que ça, que ça, que ça. Ouais. Aucun endroit où il n'y a pas de... où il n'y a que de la terre, quoi. Mmh. Et nous, c'est tout ce qu'on veut, putain de merde. On veut que merci ça. Bonne journée. Ben, merci, la journée pas top, là. Merci une fois. On a tout perdu. On est tombé dans le vide, dans l'Ender, et du coup, on a plus rien. Oui, c'est quoi, ça? Je pense que c'est un genre de temple sous-marin. Y a peut-être un coffre, non? Quand t'es sur ça, il faut que tu t'accroupisses pour pas prendre de dégâts.
Y'a quoi dans le coffre? Wesh, c'est normal qu'il y ait des... T'arrives à loot le coffre toi ou pas? Non. Il est bloqué par le trident qui est planté dessus. Le trident il a bloqué le coffre. J'étais en train de me noyer. J'ai cassé le coffre, il a disparu et il y a pas de stuff qui est sorti. What the fuck, il s'est passé quoi? Il y a eu un rollback. Thomas, t'es en train de mourir? Non, ça va. Ok, j'ai une carte au trésor, on l'a fait ou pas? Ah bah j'en ai une aussi. Ça va être le même trésor. On l'a fait. Je pense qu'on devrait pas, moi. C'est vrai? Ouais. Tu te rappelles vers où on allait déjà ou pas? Je sais pas, tout droit là. Je suis pas sûr, moi. Thomas, si on retourne sur nos pas, c'est une cata par contre. Hein. Bah, elle a disparu de mon inventaire. Ok, c'est toi qui l'avais en fait. C'était bugué? Ouais, c'était bugué de ouf. Moi, ça, si je vais plein sud là, on est sur le coffre au trésor. Bon bah go hein. On le fait? Ouais. Allez. J'espère qu'on se trompe pas d'endroit, putain de merde. Je suis parti 20 minutes et je vous vois à Walp. Recommencer, ça sera mieux, effectivement. En vrai, je pense aussi. Bah, c'est des choses, ouais. Mais vas-y, on va pas le faire. Link à love. Merci, Maëlys. Merci beaucoup pour les 2 mois, c'est gentil. Merci 1000 fois. On va pas recommencer. Mais putain, en vrai de vrai, ça serait une meilleure idée. Bon, toi, et je te connais, tu dis ça pour que je te dise, bon, d'accord, on recommence. Mais non, c'est mon chat qui me dit que de recommencer, je leur réponds. Tu réponds, ah oh oui, non, recommencer, en vrai, ce serait bah pas oui, mal. Bah oui, parce que c'est vraiment la meilleure idée, mais on va pas le faire parce qu'on a dit que c'était pour les faibles. Mais c'est vraiment la meilleure idée. Mais en quoi ce serait la meilleure idée? Bah, il y a de fortes chances qu'on tombe sur un endroit où il y a de la terre, en fait. Et qu'on n'ait pas à faire voyager sur des îles pendant 10h30. Ouais, mais si on trouve la terre, après, on a le stuff, là, au moins. Un peu, déjà. Ah oui, non, mais c'est clair. Non, mais le truc, c'est que je... On a des livres et tout. Bah, faut trouver de la terre, quoi. Et ça semble très mal parti. Oh, let's go. Il est parfait, l'endroit, là, pour faire une maison. Bof, hein. Mais ouais, moi je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on soit parti pour trouver un biome avec de la terre là, honnêtement. C'est un biome iceberg. Il est trop beau, l'effet de la glace avec le shader, c'est magnifique, je trouve. Tu trouves pas? Si, ça reflète et tout, c'est beau. Oh, y a des ours polaires! Ouais. Ils donnent de la bouffe? Non, et ça fait très mal. En gros, laisse-les tranquilles, quoi. Ok. Non, les subs ont pas de slow mode, je crois. Y'a pas de slow mode pour les subs, Thomas? Y'a pas de subs pour les slow mode? De slow mode pour les subs, je crois pas. Hein. Ah, si. Ah ouais, ils ont le slow mode quand même? Je crois que c'est que pour les VIP. Je crois que non, moi. Ah non, ils disent tous que non. Ah, mais y'en a qui disent que si. Je sais pas alors. Moi, je crois qu'il y a le slow mode pour les subs, mais c'est juste VIP et. Ok, si, y'a le slow mode. Modo qui n'ont pas. Tu dois avoir raison. Bon. Vas-y, on s'éloigne. Je balance la carte, c'est bon. Putain. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Je veux une maison! J'en peux plus. Moi, je suis chaud qu'on se dise que si à la fin de ce live, on n'a pas trouvé d'endroit pour faire notre maison, la prochaine fois, on refait une aventure. Pour tomber directement à un endroit où il y a de quoi habiter, quoi. Parce qu'en vrai, là, on est vraiment parti pour naviguer pendant 10 jours, je pense. Moi, je pense qu'il faut pas qu'on fasse comme sur LoL où tu fais 20 comptes et que ça revient au même. Là, ça sert à rien de refaire une partie. Non, mais là, ça revient pas au même si tu refais une game. Ça revient pas au même parce que tu peux trouver un biome où t'es direct là où il faut, genre. C'est différent. Non, alors peut-être. Alors peut-être que c'est pas une île, ça. Mais j'ai peur qu'il y ait que des îles. Oh. C'est grand. Ah, les subs qui ont un slow mode, vous venez de recevoir votre sub, il faut F5. Ok, voilà, il n'y a pas de slow mode pour les subs. Aïe. Thomas, on leur pète la gueule. J'ai pris un trident dans la gueule. Viens, on leur pète la gueule. Il y a une chance qu'on ait un trident. C'est très rare. Ça pourrait nous refaire la journée. Une chance par combien? Il n'y a vraiment pas beaucoup de chance. Je sais pas où il est, celui qui a le trident. C'est où il est, Thomas? Il est sous l'eau. Ah. T'y vas? Aïe.
Je vais mourir. Thomas, t'as pas dormi, donc ne meurs pas, par pitié. Wouah, aïe 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 aïe, il est à deux doigts de me tuer, le chien. Y'a un squelette. Oh putain de merde, Arnaud, je vais mourir. Non, Thomas, tu ne meurs pas, si tu meurs, on est vraiment dans la merde. Là, si tu meurs, c'est un vrai FF, viens, on dort, viens. Je pose mon lit, tu cliques dessus. Clique. Clique derrière toi, vite. Ok. Attends. C'est bon, si tu meurs, c'est pas grave, là. Mais pourquoi il y a autant de zombies sous la mer, là? What the fuck? Mais mec, il y en a 2000! Je sais pas si j'en ai déjà vu autant à la fois. Mais what the fuck? Ouais, je sais, ouais, vraiment, j'ai jamais vu ça, je crois. Mais ils viennent d'où? Ah, mais il y a un coffre, là! Ouais, vas-y, tu peux le looter, moi, j'ai l'aggro de tout le monde, je crois. Thomas, tu brûles? Mais attends, mais il y en a combien? C'est quoi cette merde? Thomas, je te jure que j'ai jamais vu ça. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi. Mais attends, mais c'est quoi ce bordel, là, les gars? Il y en a plus de 20, on est d'accord? Mais oui, ils arrêtent pas de venir. Ok, il meurt. Thomas. Mais Thomas, mais qu'est-ce que t'as branlé? Je suis noyé. Mais comment? Ben... T'étais sur le truc pour respirer? Bah non, j'y étais plus. Pourquoi mon stuff il est éparpillé comme ça partout, wesh? T'as explosé. Mais attends, mais oui, j'ai explosé, il est éparpillé dans les quatre coins de l'océan. C'est le One Piece. Y'a pas grand chose en plus, on s'est vraiment fait chier pour rien là. Y'avait quoi dans le coffre? Une canne à pêche solidité et du blé. Surtout, récupère ta bouffe. C'est limite le plus important. J'ai ma graille, mais il manque mon armure. Ah, peut-être que j'ai... Attends, j'ai peut-être nagé autour. C'est possible que j'ai les trucs à toi sur moi. J'ai plus ma pioche. Sors, attends, je te drop. Enfin, je te dis ça, mais ça se trouve, j'ai rien. J'ai pas vérifié. Tiens, j'ai ça. Ça. Je sais pas, ça, peut-être. Je n'en sais rien. Mec, les squelettes avec les arcs, c'est le truc le plus insupportable du jeu, je pense. Oui. Personne les aime, en fait. Il va me tuer, hein. Tu m'as sauvé la vie en tankant la flèche. Tu m'as sauvé la vie en tankant. T'inquiète. Je serais mort, j'avais un demi-cœur. C'est très hostile, cet endroit-là, Thomas. Ouais, on va se chauffer, et puis après, on explore le lit ou je ne sais quoi. Faut mettre des coups critiques pour les tuer, eux. En deux coups. Attends, tu penses que c'est une île ou que c'est un monde? Viens, on se chauffe. T'as posé un lit? Ouais. Vas-y. On a tellement bien fait de sauvegarder juste avant, sinon c'était mort pour moi. Ouais, c'était la grosse merde, là. Ça aurait été la giga grosse merde. Oui, c'est ça que ça sert, la canalisation. On ramasse notre lit ou on le laisse là, on en refabriquera un? Ouais, on laisse. Au moins, ça fait un checkpoint un peu plus avancé. Bah attends, on en prend un et on laisse l'autre, on clique tous les deux dessus, je suis con. Allez, let's go. Putain, l'enchantement de glace, il pète les couilles parfois. T'as ramassé ta bouffe? Ouais. Vous allez faire comment pour l'end? Bah on refera un. Oh. Putain, c'est joli là. C'est trop beau. Ouais, mais s'il y a rien, c'est mort. Le petit lac avec la montagne enneigée au fond, là. Ouais, c'est trop beau. Mais bon, il faut être sûr que ce soit pas une... Bah, qu'il y ait de la viande. Qu'il y ait des trucs intéressants, genre une petite faille ou quoi. Et que surtout, ça soit pas une île, quoi. Et je pense que ça va être une île. Là, je m'attends à ce qu'on monte et que de l'autre côté, on voit la mer. Si c'est ça, je pète mon crâne. C'est chiant, en vrai. Non, on n'en peut plus de la mer. Ok, il y a une faille là. Ah non, c'est pas une faille. Oh, putain, dommage qu'elle traverse, qu'elle soit pas plus profonde parce qu'elle est tellement large. T'as vu? Ouais.
Mec, c'est vaste, là. Là, il y a de la terre à perte de vue, j'aime bien. Ah, j'aime bien aussi. Je regarde juste si dans le trou, il y a un truc. Et là, en élytre, mais putain, avec les élytres, on aurait pu tout survoler. Ah oui, je te le confirme, ça aurait été très bien d'avoir des élytres. Purée de pommes de terre. C'est de notre fosse, hein. Ok, ok, là, il y a de la terre à perte de vue, j'aime bien déjà. Ça m'avait manqué un peu. T'aimes bien les trous, j'ai remarqué, c'est horrible Minecraft, t'as trop envie d'aller dans toutes les failles, je trouve. Ça t'appelle, genre. Et on continue. S'il vous plaît, de la terre. Oh non, Thomas! C'est une putain d'île! Une putain d'île immense, mais c'est une île quand même! À moins que c'est un lac! À moins que. Oh, le lac, il est trop beau! Mec, Thomas... le lac, il est incroyable! Oui, le lac est très très beau. Mais l'endroit est magnifique là. Hein. Et la perte de vue, un grand lac comme ça avec le soleil. Mec, le lac est magnifique, j'ai un coup de cœur vraiment. Il y a deux lacs, c'est trop beau, ouais. J'ai vraiment un coup de cœur sur le lac avec la montagne tout autour. Oui, c'est trop beau. L'endroit est vraiment trop beau. On regarde un peu autour et on voit. Parce que là, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'arbre, aucun arbre. Alors, pour crafter une maison, mon petit pote... Oh, regarde, il y a une tour en haut du truc. Parfaitement en haut, genre. T'as vu ? Installez-vous ici. Le chat, ils en peuvent plus. Ouais. par contre, l'endroit est vraiment beau. Y a rien à dire. Ça manque juste d'arbres, mais on peut aller farmer des arbres et en replanter plein, et voilà. Et ouais. Créer petit à petit notre forêt et tout ça. Tiens, regarde, y a un arbre là. Je veux que même la tour en haut de la montagne et tout, c'est stylé. Limite, on pète la gueule à tout le monde et on se sert de la tour et on la transforme en maison. Corne de chèvre ? C'est quoi ça ? Wesh. T'entends ? Ah oui. Mais ça sert à quoi, Thomas ? Je sais pas, moi, à faire du bruit. Mais pour dans quel but ? Putain, c'est un peu stylé ici quand même, hein. Par contre, ouais, c'est une île sans arbre, quoi. Vraiment ouais. Sans arbre. Et ça, c'est relou en raid, ouais. Vous êtes fous, ils vont venir à 40 ? Quoi ? Comment ça, ils vont venir à 40 ? Ça les appelle, ça ? Thomas, je me fais chase. J'arrive. En fait, oui, c'est une île, hein. Oh, waouh, putain, la faille de fou aussi, là. C'est tellement beau, les failles. Waïaïaïaïaï. T'as vu, c'est stylé, hein. Ouais, mais j'ai failli mourir, il y avait un tout petit trou. Ah. J'arrive pas à savoir ce que je pense d'ici. Transcendé, genre je sais pas. D'un côté, ça a du charme, c'est beau, mais de l'autre, y a pas d'arbre et c'est une île, c'est vide, y a rien autour. Ah, c'est vrai que si c'est une île, de toute façon, c'est mort en vrai de vrai. Hein. Faut être lucide, ça va juste nous niquer l'aventure d'être sur une île en vrai. Ouah, tous les chevaux, what the fuck? Mais c'est beau, hein, une grande plaine comme ça là, c'est paisible. Mais attends, ma clim, elle s'est setup à 50 degrés ou quoi là? J'ai eu un coup de chaud d'un coup. Refaites un monde SVP, en vrai on devrait, hein. Franchement je pense. Je regarde partout le chat. Merci Xo, merci beaucoup pour les 100 bits, c'est gentil. Thomas, c'est encore une île. Oh non. Viens, on refait un monde en vrai. Non. Tu veux pas, toi ? Non !
Putain, on va ramer pendant 2 heures là encore, hein. Vas-y, en vrai, go faire un sondage, mais moi je suis pas d'accord. Bah, si on fait un sondage, c'est mort, ils vont tous dire de le faire. C'est sûr. Tu penses? Mais oui, c'est sûr à 100%. Genre, y'a aucune raison. Mais regarde, je dis rien. Exercice de manipulation. Bah, tu dis avant le truc, c'est sûr, ils vont le faire, comme ça influe sur leur choix. Mais non, tu viens de dire que toi tu voulais pas. Ça, je peux dire pareil, dans ce cas, ça influe aussi sur leur choix. Je te dis juste que, de mon point de vue, il faut refaire un truc. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Genre, en vrai de vrai, là, il y a des chances, c'est pas sûr, mais il y a des chances qu'on se retrouve à courir pendant vraiment 4 heures sans trouver de trucs. Ah, je t'ai perdu de vue, par contre. J'ai continué tout droit à courir sur la terre, genre. Un peu vers la gauche. Attends, tu m'entends? Oui. C'est vrai? De quoi? Ah, mais je sais pas, j'ai fait un coup de corne, j'ai cru que tu avais entendu la corne. Ah non, ça j'entends pas. Ouais, go en faire un, allez, go au cas où. Juste pour voir. T'es passé là où il y avait de la lave qui coulait, là, de la montagne? Je sais plus. Attends, je suis en 993 7405 et j'ai avancé en suivant le sud. En regardant le sud. Ah ouais, mais d'accord. Putain, mon inventaire, il commence à être bien rempli, là. Parce que je voulais voir s'il y avait un truc au bout de l'île, mais en fait, non, c'est vraiment juste une île allongée, quoi. Moi, le sondage, il vote oui, mais c'est quand même plus serré que ce que je pensais. C'est à 57-43. Donc tu vois, ton exercice de manipulation a aussi bien marché que le mien, Thomas. C'est serré aussi. Après, de toute façon, au point où on en est, on peut très bien prendre le bateau, continuer. Mais juste, par contre, si on trouve pas, la prochaine fois, on refait. Parce qu'on va pas faire juste des live bateaux pendant 6 heures, quoi. Il faut qu'on se mette d'accord, qu'est-ce qu'on cherche aussi? Moi, n'importe quoi, là. Juste, franchement, de la terre et des arbres, je suis heureux. Hein. Attends, Arnaud, t'es où? Je suis vraiment au bout de l'île, là. Quoi? Mais je te vois pas. Je suis en 1046, 7587. Ah bah si, je te vois. Ok. Pourquoi il pose pas le bateau? Ok. Je vais regarder là-bas, je vois des pierres au loin, je vais voir si c'est un île ou pas. Et serré aussi, 57, on reste là et 43 nouveau monde. Ouais, on a exactement le même résultat. À la virgule près. Quand vous êtes arrivé sur l'île, il y avait des arbres, non? Oui, mais en vrai, c'est une île, quoi. C'est ça le problème, c'est vraiment pas bien. Parce que du coup, tu vas chercher des villages, il faut que tu partes avec un bateau. Enfin, il faut tout le temps un bateau, c'est trop chiant, genre. Le mieux, c'est vraiment de pas avoir de mer autour. Je crois que le shader, ça fait chauffer le PC encore plus. Oui, il est vraiment froid. Ah ouais, il est froid? Je touche, tu sais, c'est tiède moins, quoi. Mais putain, mais mec, moi, c'est bouillant plus, genre. Moi, si je laisse la main appuyée, ça me brûle, genre, en mode j'ai mal. Mais c'est pas ton water cooling qu'il faut changer plusieurs fois, genre deux fois par an, genre? Je sais pas. Je crois Yuyu, quand il l'avait installé, il avait dit le water cooling fallait changer tous les 6 mois, je crois. Merci Romain pour le prime, merci beaucoup. Bah si c'est donc ça, la ça. Flemme, ça pète les couilles, genre. Ah mais c'est peut-être dû à water cooling. Non, c'était pas juste pour la propreté de l'eau. Je sais pas. Je crois que c'était juste pour la propreté de l'eau, parce qu'en soi, c'est juste de l'eau dedans, et après elle refroidit ou elle réchauffe, et voilà, tu vois. Ouais. Je vais enlever mon shader, moi. Comment on désactive un shader? On peut ou pas? Option, pack de... Je sais pas. Non, j'ai fait le connaisseur, mais je connais encore moins que toi, en fait. Option graphique. Pack de shader. On peut pas l'enlever. Vu que c'est pas Optifine, je sais pas comment ça marche. Si. C'est où? Tu vas dans option graphique. Pack de shader. Pack de shader, ouais. Et shader activé. Ah oui, activé, désactivé, ok. Merci. Ok, waouh, c'est tellement dégueulasse quand tu désactives. La différence, mec. Oh mon jeu, le coup qu'il a pris dans la gueule, on dirait que je joue sur Minitel. Yeah. T'as enlevé aussi? Oui. Juste pour tester, mais ouais. Oh. Putain.
Après, sinon, en vrai, est-ce qu'on peut pas regarder notre seed? Je viens de penser, là, en voyant Nonox, il demandait si on pouvait voir la seed. Genre, on regarde notre seed et on se TP à un endroit où on est au milieu de la Terre. Bah, tant qu'à faire, oui. Genre, je me dis, on s'en branle, non? Mais tu peux voir, toi, ta seed, là? Tite, tricheur. Oh non, 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 Arnaud, non, 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 reviens. Thomas, je me suis TP en 0-0, je suis sous l'eau, je suis en train de crever. C'est pas bien de faire ça, reviens à moi. Thomas, je vais mourir. TP-toi à moi. T'as plus de TP? Attends, je suis en train de mourir, Thomas. Reviens. Arnaud, pourquoi on a pris? Je suis en train de mourir, je sais pas quoi faire. Thomas, comment on se TP? Bah, je sais pas moi. Je sais pas, c'est toi qui t'es TP. Je tente une autre TP n'importe où. Je meurs, je me suis mis dans un mur. Je peux pas le TP, moi j'ai pas de droit. Thomas, je vais crever, putain! Dis-moi où me TP vite! Je sais... Viens en... Comment tu t'appelles dans le jeu? Actuan. Oh! Oh sa mère! Pas de TP, on ne cite pas. On cherche à la main. Vas-y, bah roule alors. Pourquoi on cherche à la main? Putain, ça sert à rien, pas perdre du temps. Genre là, ils kiffent de nous regarder avancer pendant 8 heures avec le bateau. Mais après, c'est Minecraft, c'est le jeu. Genre, on peut pas faire des lives où c'est tout le temps dynamique, qu'il y a tout le temps des trucs. Genre Minecraft, il y a une partie chiante aussi, tu vois. Genre ce qui est du minage ou autre, où on va aller vite, et au final... On perd tout. Il y a le jeu, c'est comme ça, tu vois. Le chat, ils savent. C'est pas genre un Call of où t'as de l'action tout le temps ou du fight. C'est normal. C'est un jeu de farm à la base. Moi, je trouve que c'est à chier de regarder les gens qui font que du bateau. Farmer et tout, c'est pas pareil. T'as un enjeu, tu cherches un truc et tout. Là, vraiment, c'est juste on fait du bateau, quoi. Oh, la vie de WAM. Il y a des fois, faut passer par là. Et comme ça, après des contrôles. Thomas, la vie de WAM. Regarde cette dinguerie. Wesh. On dirait qu'on rentre dans l'antre des enfers. Vraiment. Envie de faire ma maison ici. Oh, c'est un biome désert au-dessus. Thomas, viens. Ramasse le bateau, oublie pas. Oh, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de joie. Genre là, on arrive et il y a un temple. Waouh. Thomas, un peu de bonheur dans ce monde. Putain, c'est pas un... Mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incompréhensible l'endroit. C'est 1000 fois plus moche que le biome. Ah oui, bah là, y a pas de match, hein. C'est une forêt de sapin. Après, vous êtes un peu biaisé par les shaders, je pense aussi. Genre, dis tout de suite, tu mets un shader, ça a un peu plus de gueule. Bof, en vrai, pas. Ouais, je viens de mettre le shader, c'est pas incroyable, ouais. Enfin, c'est quand même mieux avec. Ne mentons pas. Ah bah oui. Moi, en vrai, ici, j'aime bien, cet endroit-là, là. Avec vue sur la truc de lave. Ça, c'est beau, en vrai, ici, hein. Mais bon, on est toujours sur une île. Mais en vrai, tu trouves pas que l'endroit il est joli? Moins que l'autre, j'ai vraiment eu le coup de cœur avec le lac et tout. Après, il y avait le soleil, il y avait tout, tu vois. Ouais, moi je préfère les arbres quand même. Genre avoir une plaine avec rien. Genre, je pourrais plus habiter là que habiter là où on était tout à l'heure, moi. Ouais. Thomas, ça m'a l'air d'être une île, hein. Ah oui. Là, on est dans une mauvaise... Là, on est dans le pétrin, si tu veux, mon avis. On va sortir de ce pétrin. C'est vraiment beau, par contre, hein, quand tu regardes au loin. What the... Ok, j'y vais pas. Je résiste à mon envie d'aller dans le trou. Et je me casse. Refaites une aventure. Arrêtez, c'est trop tard. C'est trop tard. Thomas, il veut pas. Voilà, c'est tout, c'est lui qui décide. Voilà, c'est moi qui décide.
Moi, je mets mon veto. Si jamais à la fin de celle-là, on n'a pas trouvé un endroit où vivre, on refait une aventure. Après, on est difficile aussi. Hein. Genre, on aurait pu trouver mille fois une zone. Merci les vieux, parce qu'on est difficile, on veut trouver un truc parfait. Et du coup, c'est pour ça qu'on tourne beaucoup. Bah non, on veut juste pas d'île. Moi, c'est fini dans ma tête, là. Je veux plus de truc parfait. Je veux juste pas une île. Là, c'est grand de ouf. Mais je sais pas, je pense que je pense qu'on n'est pas sur une île, moi, alors. Va, avance en diagonale vers la gauche, un peu. Genre, va pas tout droit, va un peu en diago vers la gauche pour qu'on s'enfonce, qu'on s'éloigne de la mer, vu qu'on a vu que la mer était à droite. Je pense qu'on est... Il y a peut-être un monde où on est sur la terre ferme, là. Petit lac de lave, là. Oh, bah ouais, là, c'est pas une île. C'est pas une île, ou alors elle est immense, quoi. On la fait, Nito ? Oui, il faut juste qu'on trouve un endroit joli, après, enfin, assez cool, où on se dit, vas-y, go se poser là. Bon, là, en fait, moi, je suis au bord de la mer, encore. Je continue, je retourne tout droit. Là, il y a un lac, enfin, il y a un lac, une rivière qui traverse. Ah bon, on est au même endroit. Vas-y, là, fais un tout droit. Je fais un tout droit. On fait quand même biome et herbe verte, par contre, comme on avait dit. On fait quoi ? Biome sur de l'herbe verte, là. Oui. En vrai, je préfère, il y a plus de... Ouais, sinon ta maison, elle est dans un endroit chum à la mort. L'herbe grise comme ça, là, c'est dégueulasse. Enfin, grise. C'est quoi, ça, la pierre avec la mousse, là ? Vert sapin. On pourra en crafter, ça prend 2 secondes. Incroyable, la lune avec les reflets qui passent à travers les arbres, ici. Ouais, c'est trop beau. Enfin, de toute façon, les shader packs, c'est toujours trop beau. Les levées de soleil et tout, entre les arbres aussi, c'est incroyable. C'est ok, what the fuck, c'est quoi cet arbre ? Ouais, là, c'est sûr, on est sur la terre ferme. Il y a des steaks, il y a des renards. On l'a fait, Arnaud, on est sur la terre ferme. J'ai l'impression aussi qu'on est sur la terre ferme. J'ai envie d'y croire. Il y a plein de pierres moussues partout. Toi aussi, t'es dans le biome, enfin, t'es dans les pierres moussues ? Ouais, je les ai passées, là. Allez, dites-moi que de l'autre côté, c'est un truc juste normal, s'il vous plaît. Je demande plus rien. L'Inonox. Moins 2800, moins 500, tu peux te TP 2 secondes. Non, on a dit qu'on faisait pas de TP. Comment il connaît ça, Nonox ? Bah, il a l'acid de la truc, du coup, il peut aller voir. C'est quoi l'acid ? L'acid, c'est la graine de ton monde. En gros, si quelqu'un marque la suite de chiffres de ta seed, il peut être exactement dans le même monde que toi. Télécharger le même monde, en gros. Ok, je savais pas. Il y a le lever du soleil là. Ok, on est vers des arbres normaux là, à droite. C'est pas des grands sapins. Ah si, c'est des grands sapins. Merde, putain, j'ai été. Par contre, c'est pas une île. Hein. Moi, il y a des arbres normaux là. Ah ouais ? Ouais. Je sais pas où t'es allé. T'as fait un tout droit ? Je vais vers l'est là. Je suis en 769 800. Moi, je suis plein sud. Pourquoi t'es allé vers l'est ? Je sais pas. Attends, je vais continuer vers le sud, là. Vas-y, je laisse les vaches tranquilles. J'ai pris un peu à graille. Allez, par pitié, donnez-moi ce que j'ai envie de voir. Ouais, je suis en train de mourir de faim, là. J'ai plus que 5 de bouffe, moi. J'ai 2. Putain, c'est beau, là, quand même, hein. Ah, il y a des boulots là où je suis. Ah bah, j'ai été au boulot. J'ai continué, il y a encore des sapins. Si t'es allé à l'est, ça m'étonnerait que tu parles les mêmes boulots. Parce que moi, je suis en train de regarder l'ouest quand je vais vers les boulots. À moins que tu te sois gouré quand tu m'as dit. Merci Rafa pour le prime, merci beaucoup. Mec, là c'est un biome normal, il y a des fleurs, il y a des boulots, il y a des arbres normaux. Dans quelle zone ? Je suis en 678, 10100. Ah, ma nuque, bordel. Oh, c'est beau ça. Et l'endroit est joli en plus. Il est banal. Banal, joli, genre. C'est de prendre un peu d'auteur. Qui il est ici, hein ? 678 10100 ? Ouais, 10100. On doit pas être très loin, si ? Attends, bouge pas. J'ai bougé un tout petit peu, je prends juste un peu de hauteur, voir si c'est beau un peu plus loin ou quoi, histoire de me faire une idée du biome.
C'est vraiment le biome de base de Minecraft, quoi. Et au bout, il y a l'air d'avoir de la mer. Et là, c'est la classico classique. Ouais. Je vais aller voir en face, vite fait. Il n'y a pas de faille, putain. Après, pas de faille en soi, c'est esthétiquement, c'est dommage parce que c'est trop beau les failles. Mais en vrai, on peut en fabriquer une ou on peut en chercher une autre. Ouais, l'autre côté, c'est la mer par contre. Ah non! Ah, il y a un village en face! Ah non, c'est pas un village, putain, j'y ai cru de ouf. T'es ouf? Là, du coup, je suis en 662, 10286. Que je t'attende, genre que je bouge plus du tout? Chaud. 661, 10286 en face de moi, c'est le sud. 10282, pardon. Quand on est aussi bon, aussi fort que toi, c'est normal qu'on ait pas de faille. Merci Lucky, j'aurais pas dit mieux. Très très fort, très très fort. J'aime bien. C'est bon. Allez, let's go. Il y a pas de faille, mais est-ce qu'il y a Carlito? Pas mal. J'aime bien moi. T'as bien aimé Thomas ou pas toi? Thomas? Ouais ouais, j'ai kiffé. Pas de faille Carlito, elle est bonne en vrai. Sois pas méchant avec mes viewers, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est mon style. Bien joué à toi. Salut les gars, c'est bien joué à toi. Allez, donnez-nous un petit village, une petite faille, faites-nous vibrer putain Minecraft là. De merde. Ok, ok. Waouh! Thomas? Elle est profonde. Attends, regarde à droite là. Avec le bord de mer et tout. En vrai, c'est stylé là par contre. Merci Jade pour le sub, merci mille fois. Thomas? C'est une dinguerie par contre la faille là. Thomas, regarde là où je suis. Ah, il m'a pas suivi, non. Si, je suis à côté de toi. C'est beau de ouf là par contre en vrai. Bam, le petit espace il coule sur la faille. En plus on peut améliorer un petit peu l'entrée de l'eau là. Sur ma vie je trouve ça beau moi. Ouais j'aime bien. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de village autour. Mais vas-y on peut s'en foutre non s'en. Attends viens on va voir la faille. Si c'est une faille avec un fond ça va perdre des points. Attends mais mec, c'est de l'eau au fond de la faille là? Non, je sais pas. What the fuck? What the fuck? Thomas, viens, on habite là. Oh, la faille de zinzin. Thomas, viens, on habite là, s'il te plaît. Oui, je suis chaud. Tu veux qu'on vérifie la faille d'abord? Ouais, là, on a déjà vu, hein. Attends, on fait un sondage et on voit avec notre chat s'il valide l'endroit, même si... soyez pas aveuglés non plus par la faille. Considérez quand même qu'il n'y a pas de village autour. Que c'est pas le truc le plus praticable, enfin il y a quand même des points négatifs, genre prenez pas pourquoi que la faille. Pourquoi tu mets un village? Je sais pas, moi je pensais que c'est juste un truc stylé, genre un endroit qui est généralement cool. Mais en vrai j'aime bien l'endroit moi là, je le trouve vraiment beau. Le village en soi on le pille, après il y a trois baraques qui ressemblent à rien. Non en vrai il y a un village. C'est vrai. Moi je suis chaud de valider ici, hein. Franchement j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on agrandit l'eau? Genre la chute d'eau pour qu'elle aille jusqu'au fond de la grotte. Là, je me sens comme à la maison. Bah vas-y, viens, on crée un lit, on dort. Attends. Faut qu'on dorme. T'es un lit, toi. Où est-ce qu'on met notre maison exactement? Je sais pas. Bah mec, ici, moi je pense, regarde. On a un petit espace, faudra juste un peu le reformer, mais il y a une petite plaine. Maison vue sur le lac, faille derrière la maison. Trop beau le lac avec la montagne à droite et tout là. Tu valides l'endroit? Ouais. Thomas? Bonjour, je t'invite. Si, on en a. Clic. T'as cliqué? Oui. Allez, c'est bon, c'est notre maison. C'est validé à 91% chez moi. Let's go. Allez, ça part. On enlève tous les arbres et on les laisse bien tomber, comme ça on pourra ramasser les graines et replanter des arbres. On va se faire une maison de base avant de faire un truc design. Juste pour pouvoir mettre des coffres et tout ça, ok? Ça te va Thomas? Oui. Il me faut de la terre, je sais pas si t'en as. Tiens. Cimer.
Je vais les virer, mes chaussures, elles me pètent les couilles. Hop. Thomas, on a enfin notre maison. Oui, je suis content. Thomas, j'y croyais plus. Je suis tellement heureux. Pour moi, c'est comme une délivrance, là. Moi aussi. Tu peux poser le coffre, ce truc, là, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. J'avais oublié. Merci, Milena. Le jour de mon anniversaire, c'est toujours super de te suivre. Cœur. On souhaite joyeux anniversaire à Milena dans le chat. Bon anniversaire. Bon anniversaire, merci, Milena. Merci pour mon soutien. C'est adorable. C'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que tu fais de beau, Thomas? J'ai fait une pioche en fer alors que je voulais faire un... Moi, mon programme, c'est d'aller piller la grotte le plus vite possible. Ouais, moi aussi, je vais y aller. Juste, je crée un peu un accès à la grotte. Tac. C'est, je fais tomber l'eau et tout. Comme ça, on pourra remonter. T'en dis quoi? Oui, c'est pas mal. Je vais faire de quoi cuire la viande, moi. Mec, c'est tellement stylé, c'est tellement stylé, j'ai trop hâte d'aller l'explorer. T'es chaud, on y va en même temps l'explorer? Oui. Genre on fabrique les coffres, là on pose tous nos trucs. On se fabrique surtout beaucoup de torches pour retrouver notre chemin, s'éclairer et tout, ça c'est vraiment indispensable. Et après, on profite. Ouais. Je sais pas si j'ai beaucoup de charbon encore, moi, par contre. Nonox? Ah mais attendez, je veux pas de spoil, moi, je veux pas de... Ils me disent les positions des villages et tout, c'est quoi ce bordel? Oui. J'en veux pas, moi. Tu triches, en fait. Mais c'est pas moi, c'est pas ma faute, je l'aurais pas demandé. C'est quoi ces modos? Cachez-moi, je regarde pas la pause, j'en ai rien à foutre, chat. Surtout me spoilez pas, putain. Voilà, non, dealer. Non et non. Bah là, je leur ai dit, là. Je veux pas être spoil. Vous allez me niquer l'aventure et la surprise de la découverte, c'est trop naze. Merde. T'as ramassé les pousses d'arbres et tout? Non. Hop. Alors, tout ça. Jusqu'à la mort. Faut qu'on trouve vraiment beaucoup de charbon par contre. C'est en fait. Quoi? Aïe. Thomas, tu meurs? J'aurais pu mourir, ouais. Pas de ça chez moi, hein. C'est hors de question que tu meurs, Thomas. Tu m'entends? Ouais. C'est hors de question. T'es un putain de winner. T'es pas un mortel comme les autres. Les musiques, elles sont tellement apaisantes. Merci Axel, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Merde. Ah, la maison, là, elle va avoir une vue de fou. Ouais, c'est trop sur le lac comme ça, c'est insane. Ah, il nous faut du charbon, c'est vraiment la priorité absolue. T'es chaud, on range le coffre correctement direct? Non, remarque, vaut mieux attendre notre maison, non? Oui, bah oui, de toute façon, on aura une salle avec des coffres et tout. Ouais, il faudrait qu'on fasse cuire la viande. T'en as un paquet de trucs à faire, hein. Ça cuit. J'ai mis de la viande dans le coffre. Faudra juste la faire cuire, moi j'ai plus rien là. Je vais prendre le charbon et le bois. Je vais faire masse lampe torche et je vais nous créer. Je vais éclairer partout autour de la maison pour qu'on ait le moins de monstres possible. Je vais voir pour du charbon, moi.
trop stylé, la faille, la géographie. L'endroit est trop beau, j'adore aussi. On a bien choisi là. On a bien fait d'attendre un peu. Enfin, un peu beaucoup. C'est stylé. Et en plus de ça, on pourra bien, bien terraformer l'endroit et tout. La taille de la faille. Parce que l'endroit est vraiment, vraiment très beau. Le fait qu'il y ait plein d'eau et tout, c'est agréable. Thomas, you wait me force de... Thomas, village ! Village ? Oui, regarde, on a vu sur un village depuis notre maison ! Mais non. Je te jure ! Regarde, t'es où ? Attends, j'arrive. J'étais descendu prendre du charbon. J'en ai pas trouvé d'ailleurs. Putain, ils ont dit un village pas loin, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi pas loin, à ce point-là, genre. Mais non, un village ! Attends, c'est où ? Merde, j'ai utilisé tous les charbons, quel con. Je prends un peu de côté, t'es où ? À la maison. Tiens, regarde. Tu vois pas, là, au bout, un truc en face de nous ? Un truc éclairé ? Oh putain, le con ! Ouais, on est collé à un village, en fait, on est trop bien. On ira le visiter plus tard. Ouais, vas-y, vas-y. T'as du charbon ou pas, Thomas ? Non, j'en ai pas trop. Oh stylé, mais oui, j'avais pas vu la baraque. Moi non plus, j'avais pas vu. T'as de la bouffe ou pas ? Non. Tiens, je te drop la moitié des côtelettes. Merci, j'en avais. Et j'ai mis à cuire du bœuf. Vas-y, je continue d'éclairer la zone. Je retourne chercher du charbon. Un creeper en face de moi. Oh, et en plus, on a une faille de lave derrière la maison, donc on pourra faire le portail pour aller dans le Nether sans avoir à se faire chier. Tout est parfait, là. Ouais, tout est parfait, en vrai. Les étoiles s'alignent. Hop. Il y a beaucoup de fer, mais c'est pas ce que je recherche. T'es en train de faire quoi, toi ? Je cherche du charbon. Faut doser sur les torches. Bah non, parce que tous les 5 trucs, si tu poses pas une torche, tu as des monstres qui peuvent spawn. Donc il faut en mettre un paquet. Et c'est ce que je fais. Je vais faire en sorte que notre faille elle soit agréable aussi. Mais attends, mais depuis quand le charbon c'est rare comme ça ? Ça a changé, c'est tous les 8 blocs, ok. Je ne trouve absolument aucun charbon. Après, je sais pas, peut-être je suis trop profond. Ça changera aux elfes de toute façon. Il y a une profondeur max pour le charbon ? Je sais pas, t'es parti sans moi dans la faille, c'est tout ce que je sais, je suis très déçu. Je suis pas parti sans toi dans la faille ? Si. Mais je suis parti chercher du charbon, tu voulais que je cherche où ? Pas dans la faille. Mais je suis pas allé tout en bas ? T'es tout en bas. Non, je suis pas en mode exploration non plus, je... T'explores. Vraiment, je fais pas la partie stylée de la faille, j'attends qu'on soit ensemble. Jure le Thomas. Je le jure. Ok, parce que mon petit cœur était brisé. De miettes, mon cœur était constitué. Et le charbon, oui, il y a une hauteur max apparemment. Couche 50, c'est le mieux. Charbon derrière, tu viens d'en rater ? Merde, où ça ? Regarde les plafonds, parfois on n'y pense pas. C'est tellement beau. J'adore. Ah oui, là. Thomas, j'adore. Ouais, c'est pas mal. Le problème, c'est que je vois rien en fait. T'as pas fabriqué de torche ? J'avais rien. Oh ! Waouh, mais c'est trop beau ! Attends, Thomas, t'es où ? Je vais t'aider pour le charbon. Là où il est. Ah, ça. Premier étage de la faille. T'as vu que notre faille, il y a un passage derrière aussi ? Derrière ? Genre, je sais pas si tu vois là où je suis. Waya ! Ah, regarde, tu vois là où je suis ? Je saute, ouais. Là en face de toi. Eh ben là-bas, tu peux traverser et la faille elle continue de l'autre côté. Oh, Thomas, viens voir. Il y a un petit pont suspendu, mais mec, c'est tellement stylé. Oh putain. Waouh, mais Thomas, elle est immense. Bah oui, elle est grande. Non mais attends, t'as pas vu, t'as vu même pas la moitié de la faille, hein. Thomas, regarde. What the... Waouh, là, il y a de quoi faire, hein.
Mais mec, c'est un délire là par contre. J'ai jamais vu ça, je pense. Tiens, viens, tu me suis ou pas? Elle est gargantuesque. Viens, on regarde juste la gueule que ça a au... vers là. L'enflure. Oh, mais Thomas, c'est immense. Enfin, c'est incroyablement grand, genre. Je suis profondément choqué, je suis sous le choc. Ah, c'est grand de ouf. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Et du coup, le charbon, il y a une hauteur max, donc apparemment, on n'en trouvera pas trop par là. Je suis... je sais pas si j'ai déjà vu une faille aussi grande. Non, vraiment, là, les... Il y a du diamant. Il y a du diamant ? Oui. Pas logique, en même temps. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe, Thomas ? Bébé zombie. Mec, c'est magnifique. J'aime tellement. Vraiment, j'aime trop. Bébé zombie, supplément squelette. Bon, allez, je vais nous chercher du charbon, moi. Assez, assez tergiversé. Arrête avec les torches. Comment tu parles, toi? T'as cru que j'étais ta pute ou quoi? Remballe-moi tes points d'exclamation, là. Et laisse-moi faire ce que je veux. C'est tellement beau, putain. J'aime trop. Bon, je vais nous chercher une montagne sur laquelle je puisse squatter du charbon au max. Ouais, il faut aussi du charbon. Je n'en trouve plus. Ouais, parce qu'il faut que tout le long où on avance et on cherche des trucs, il faut qu'on puisse mettre des torches absolument partout, en vrai. Ouais. Comme ça, on s'approprie la faille. Cette faille, je vais la chérir, je vais la fouiller de fond en comble. Pareil. Elle n'aura plus aucun secret pour moi. Mais Thomas, tout pareil pour moi. On a du diamant encore ou pas? Oui, on doit en avoir une vingtaine. On va se poser à la table d'enchantement peut-être et on va se faire du stuff en diamant un peu. Enfin du stuff. Le peu de trucs qu'on peut faire quoi. Priorité pioche et l'équipement. Est-ce que le long de cette montagne... moi j'ai une épée ouais en diamant. Ah non elle est en fer moi, elle est en fer my bad. En plus elle est chiante, elle repousse tout. Ok, il y a une autre faille de l'autre côté de la maison. Genre de l'autre côté de l'eau. Et là, couche 50. Ah oui, putain, je suis couche 77, merde. Mais non, mais le truc, on peut descendre là, mais ça, c'est bienvenu en enfer. Hein. Je sais même pas ce qu'il y a en bas. C'est hyper profond. Genre, vraiment hyper profond. J'ai un petit espoir de trouver là-dedans du charbon, genre. Bah, je suis chaud qu'on focus charbon. Ouais, vas-y, je vais remonter. En vrai, je pense qu'on est trop profond, même là, pour du charbon. Ouais, moi, là, j'ai trouvé une autre faille près de la maison. Mais putain, il n'y a pas de charbon dedans. Bah, c'est même pas une faille, c'est plutôt une grotte. Et il n'y a pas de charbon dedans. Oh, la défaite! Thomas, c'est la défaite! Faut cuire des bûches avec des planches. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire du charbon en brûlant du bois. Vas-y, mais je vais en faire aussi. Merci pour le tips. Comment on fait? Tu brûles, je pense, tu mets des planches de bois là pour brûler et tu brûles des bûches. Ouais, parce que ça, du bois, on en manque pas du tout. Hein. Wouah, oh là 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 là, il y a une autre faille immense. Thomas, t'es à la maison ou pas? Oui. Viens, attends. Parce que c'est vraiment collé à la maison, comme ça, tu vois ce qu'il y a autour de chez nous. 736, 10638. C'est de l'autre côté de l'eau? Ouais, de l'autre côté de l'eau. Mais attends, mais vraiment, c'est magnifique. Ça va se rejoindre sûrement. Ouais, je pense aussi que ça va se rejoindre. Thomas, tu vas casser ta tête, hein. Là, on a trouvé vraiment une faille de fou, hein. Il y a du charbon en plus, c'est parfait. Oh, il y a un gros filon de charbon. Il faudrait qu'on ait très très vite une pioche avec efficacité. Tu devrais bientôt arriver à moi, je pense. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis parti dans le mauvais sens. 736, 10638. Je pense vraiment que ça se rejoint. D'après moi, ils ont raison. Putain, tout ça pour un seul, merde. Mmh.
Waouh, mais elle continue de l'autre côté et tout. Regardez l'autre côté de la cascade, chat. Thomas, c'est trop beau. Tu trouves ? C'est une petite entrée, mais je pense pas que ce soit ça. Si, j'étais dans une petite entrée au début, je crois. Ah, quoique, non, peut-être pas, en fait. C'était peut-être l'autre grotte qui était une petite entrée. C'est sûr, ça se rejoint. Attends, je regarde comment c'est. Wow, c'est ça, l'entrée d'Afel ? Je sais pas, attends, regarde, tu me vois pas ? Tu c'est vois mon pseudo ? Oui, regarde, voilà. Bien. Ouais, c'est moi, regarde, descends. Truc en bois, je les ai mis pour fermer le charbon. Regarde, en face. T'as vu comment c'est... Oh, y'a un mineshaft ! Ah bah c'est bien ce que je me disais. C'était pas toi qui avais mis tous les trucs en bois. Si, c'était moi. Ah. En plus, je me suis dit, ça va être stylé, ça va ressembler à un mineshaft quand je l'ai posé. Oui, bah j'ai cru à un mineshaft. Bah y'en a un du coup. Viens, on va l'explorer, t'es chaud ou pas ? Vas-y. Mec, c'est... Ah mais regarde en face ce que c'est ! C'est notre maison. T'as vu ? À gauche là, y'a les torches qu'on a posées tout à l'heure. Putain. Mais attends, on a vraiment trouvé un endroit avec un mineshaft direct, un village, il y a tout genre. Il y a là, tout y a ce qu'on tout. Espérait. Il envoie de nos rêves. Le mineshaft, on pourra faire un truc stylé d'ailleurs. Tu sais, on pourra faire un ponton qui va jusqu'à la maison et on pourra relier les rails pour pouvoir aller miner dans un mineshaft directement. Diamant là. Bah let's go. On devrait peut-être pas les prendre. Ah, arrête. Tu crois pas qu'on devrait pas les prendre et attendre d'avoir efficacité sur une pioche vu que là on a pas besoin de diamants ? Bah je sais pas, bah en vrai je pense qu'on en retrouvera de toute façon plus tard. Hein. Comme tu veux, moi je les aurais pas pris. On peut faire les full stuff et tout hein. Ouais mais moi j'aurais pas pris, j'aurais cherché à avoir une efficacité même 1 sur une pioche. Une fortune pardon. Waouh, Arnaud viens là. Où viens ça ? Viens voir. C'est là où j'ai chopé les diamants. Ça doit se rejoindre ça avec toi je pense. Les coffres ils sont buggés un peu non ? Arnaud t'es où ? Bah on va se recroiser je pense. T'es en quelle position exactement ? Là où j'ai chopé le diamant. Je t'entends manger au-dessus de moi. En fait j'ai dû descendre un étage. Ah oui regarde t'es là, attends. Tu me vois ou pas ? J'entends mais... Attends t'as bougé là. Regarde là. Mec, c'est le tellement beau. Bah ça, c'est ce qu'on voit depuis chez nous. Je sais pas si t'as le shader, mais... Si, je l'ai. Ah, c'est la lave, l'eau et tout. Merci Célia pour les 3 mois de sub. Merci 1000 fois. Mec, c'est trop stylé, vraiment. Et je persiste à dire qu'on devrait pas prendre les diamants. Si je pense vraiment qu'on devrait aller direct à essayer d'enchanter une pioche et de tester. Si on n'a pas l'enchantement, ben on prendra les diamants, tu vois. Mais si on l'a direct, ça nous évite de gâcher. Mec, c'est trop stylé, vraiment. Hein. J'adore. Par contre, il n'y a plus de charbon, là. On est trop profond. Ouais, oh, il y a une géode, là. Merci, Lulu, pour les 2 mois. Merci, Philippe, un plaisir, merci à toi. Mais mec, on a une géode. Il y a tout, en fait, il y a tout. Vas-y, la géode, on la casse pas. C'est quoi le géode ? On verra plus tard si on en fait un truc ou si ou quoi. C'est ça ? T'avais déjà vu ? Oui, mais je sais pas ce que ça fait. Tu peux ramasser les cristaux dedans, je sais pas à quoi ça sert moi non plus. Je sais juste que c'est un peu rare. Y'a pas l'air d'avoir de... Ouais, y'a pas de charbon, y'a que dalle là. Merde. Elle est là. Coup, y a pas à tester l'Inca, c'est sûr, fortune rapporte. Non, mais je veux dire, tester si on arrive à avoir fortune. C'est ça que je veux dire. Je sais que fortune rapporte plus de diamants que si tu l'as pas, c'est logique. Moi, je parlais de tester si on avait l'enchantement. Si on le trouvait, quoi. Vas-y, mais je vais à la maison. C'est où la sortie ? Le mineshaft il est tout petit par contre non ? Depuis que je regarde tes lives, je parle en étant bougon comme toi, j'en ai marre en bourse. Merci Thibaut pour le prime, c'est gentil. Passage là. Mec, c'est trop stylé, vraiment.
Je vais juste checker ici. Vas-y, moi je retourne à la maison, je vais essayer de voir si je trouve un enchantement, l'enchantement qu'il faut. Vas-y. Parce qu'en vrai, ça clutcherait de ouf. Mais mec, c'est trop stylé. Par contre, il y a beaucoup de monstres. Hein. Faudra vraiment qu'on éclaire de fou. Hein. Non, je vais me perdre. Là, je suis dans des endroits bizarres. En fait, par la droite, le main shaft est assez grand. Après, bon, c'est que des routes bloquées. Ok. Bon, on explorera de toute façon. Ouais, non, y'a rien, je pense. Merci, Luxury, merci beaucoup. Je pense qu'il y a R. On y a exploré. Mec, c'est immense. Et ça, c'est que un côté de la faille. Non, mais vraiment, les gars, c'est un délire, là. Thomas, j'ai envie d'aller dans la faille, d'aller partout. Moi, c'est la faille, j'ai envie d'aller vraiment tout en bas et tout. Ouais, moi aussi. Tu veux qu'on y aille? Nique sa mère le charbon, je fais le plus de torches possible et on teste. Ouais, mais sans charbon, ça va être chaud, non? Eh, mais t'as à manger, toi? Attends, t'as combien de charbon? Moi, j'en ai 17. Oh, putain de merde, j'en ai 0. Ah. Ouais, okay. Ils m'ont pris dans un coin, je me suis fait prendre dans un coin par un creeper, deux squelettes. Aïe. J'aurais pu mourir, ils m'ont poussé le creeper sur la gueule au moment où il a pété. Thomas, est-ce que tu as à manger? Non, j'ai plus rien. Aïe, 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 non, vas-y, il nous faut vraiment du charbon avant d'aller explorer, en vrai. On va se retrouver dans la merde, je pense. Je pense avec beaucoup de sincérité qu'on va se retrouver dans la grosse giga baba merde. Oh. Oh, il y a un vendeur à côté de la maison. Il y a une voix de villageois, mais pas villageois. Ouais, ouais, c'est le vendeur, je pense. Ou alors c'est quelqu'un qui est... comment ça... putain, il est nul, le vendeur. Il est pourri. Il y a une voix giga grave. Ah, bah c'est peut-être juste un villageois qui est maudit ou quoi, tu sais. Ouais, je sais pas. J'avoue, pour le charbon, on peut peut-être aller au village aussi, hein. J'avoue, on pourrait piller le village, en fait. Tu veux aller au village? Bah ouais, si on trouve du charbon, des trucs cool. C'est un villageois zombie. Oui, parce que... Je ne connaissais pas. Ce que je pensais en disant un infecté. Oh là, je failli me jeter dans la lave par contre. Ça, on va éviter. Ah oui, c'est vrai que j'avais gardé pour faire de la poudre d'os aussi pour les cultures. T'es parti voir, non? Je suis à la maison. C'est quoi la pose de la maison? C'est... 736, 10515. On va pouvoir faire un truc plus tard, genre une pierre que tu poses dans ta maison et quand tu prends une boussole, ça te pointe, ça t'indique ta maison tout le temps. Ouais, c'est bien ça. C'est pratique, ouais. On a de la viande à faire cuire encore ou pas? Pas grand chose. Je vais faire des torches. T'as dit quoi? J'arrive. Ok, vas-y, pendant ce temps, je vais faire de la poudre d'os pour qu'on puisse faire du... Y'a des lamas? Du pain. Ouais, c'est un... y'a un vendeur, en fait. Je vais faire du charbon, moi. Bah, j'ai pas beaucoup. C'est la crise. Y'a graille ou pas? Non, je vais nous faire du pain, là, justement. Oui. Moi, il me reste une côtelette de porc et genre deux côtelettes de mouton. T'as des os ou pas? Des os, non. Ah. On devrait dormir, aller au village. En vrai, c'est le meilleur call, je pense. On n'a pas trop faire de lit. Ben, on va au village et on dort dedans. Ouais. Voilà. Attends, je nous fais juste du pain avant de partir et il faut espérer qu'ils aient beaucoup de tas de comment ça s'appelle? De blé. De tas de blé, ouais. Ça... Attends. Ok, ça je prends. Putain, l'endroit est tellement stylé, mec, je kiffe trop. Ok, ça j'ai replanté. Je nous fais du pain. Putain, on va pas aller loin. Tu veux du pain? Non, c'est bon, ça. Il est stylé le village de nuit quand même. Faut qu'on le pille, mais genre qu'on laisse tout bien. Ouais, on le casse pas, genre. Ouais. Mais limite, en vrai, non, on va en avoir besoin.
On, surtout, on tape aucun villageois, on se met aucun villageois à dos. Oui. Parce qu'après, on pourra farmer les enchantements à côté de la maison. En vrai, c'est trop pratique, on devrait pas le, on devrait faire gaffe au village. Mais de l'eau, il y a de l'eau en dessous déjà, même. Attends, faudrait pas qu'on y aille avec les émeraudes ? On a 60. Non, on s'en fout. On reviendra au pire, il est collé à la maison, genre. Il est vraiment collé, c'est même pas façon de parler, quoi, là. Ça va être tellement pratique, mec, pour farmer raccommodage. C'est quoi, je vais nous le faire ? Quoi, farmer raccommodage ? En gros, quand tu as un pupitre et que tu le mets à côté d'un villageois neutre, ça lui donne un métier. Ouais. Et il y a certains, leur métier, en gros, c'est de te donner des enchantements, on va dire. Il y a un lit, là. Non, vas-y, je le ramasse pas. Surtout, enlève aucun lit, ok ? Quoi ? Parce que s'ils peuvent pas dormir, ils meurent. Ils se font bouffer par les autres, par les monstres et tout, genre, ça craint. Ouais, bref, du coup, ils te donnent des enchantements et c'est comme ça que tu peux choper un accommodage. Il est joli, le village. Par contre, il y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir comment ça s'appelle. Aïe. Bon. Oh, il y a une bibliothèque. Hop là, ni vu ni connu. Laisse-la, hein, laisse-la, on en a même pas besoin. On a trop de trucs. Par contre, c'est moi ou c'est un village sans villageois ? Ouais. Ah, il y a un villageois là. Ah, mais putain, c'est l'idiot du village. Il donne pas de métier, lui. Là, il y a l'idiot du village. Celui qui est en vert, c'est l'idiot du village. Et ah, il y a un chauffeur là. Il fait rien, il a pas de métier et tout. Il y en a un qui dort. On peut dormir si tu veux. Moi, j'ai un lit là, devant moi. Il y a deux lits même. Vas-y, j'arrive. Mais il y a pas un coffre par contre. Hein. Ah, bien vu, chat. Moi, il y avait un coffre là, mais avec rien dedans, que un peu de pain. Ah, c'est lui l'idiot du village. Ouais. Allez. Et du coup, est-ce qu'il y avait un pupitre ? Il y avait un pupitre ? Oui. Ça, c'est nice, par contre. Il y a un pupitre et t'as un villageois. T'as ramassé les pommes de terre ? Ouais. On pourra les planter comme ça. Il y a un pupitre, un villageois en bas, là, mais je pense qu'il a un métier, en fait. Attends, mais il est où, le pupitre ? Regarde le mec, là. T'es où ? Je t'ai perdu de vue. Je suis descendu là où il y a les deux maisons. Ah, ok. Oui, eh ben voilà, c'est lui qui peut nous donner un raccommodage. Il est où, son pupitre ? Dans le bâtiment, là, bien sûr. Ok, je vais m'en occuper. Je regarde, attends, tu vas voir. Normalement, si je casse le pupitre, il a plus de métier, là. Il a un métier, ouais. Encore ou pas ? Non, il a plus de métier. Ok, il est où ? Il est en face de moi. Merci, Manon. Et en gros, si tu veux, voilà, on pose ça. Et là, normalement, il va venir près de son pupitre et se transformer. Normalement. Merci mille fois, Manon, et bienvenue à The Frog. Ok, il vient pas. Allez, mon ref. C'est bon, là, il va le prendre. Ok, et il faut que son livre... Oh, Thomas, premier coup ! Thomas, c'est rarissime. Le tue pas, le tape pas. Le fais rien, fais rien. Il faut qu'on l'enferme. La chance, j'ai jamais eu ça de ma vie entière. Ah ouais, c'est bien là. Ah mec, c'est incroyable, genre. C'est incroyable. J'en ai craché mon repas. Il faut qu'il vienne ici. Surtout, tu casses pas le pupitre, Thomas, ok ? Plus jamais. Oui. Il faut qu'il rentre dans une maison et qu'on l'enferme pour toujours. Tellement de chance, mon Dieu ! Et donc là, on peut avoir un raccommodage quand on veut ? Un raccommodage en illimité. En échange de 18... combien ? De 18 émeraudes. C'est cheaté, wesh ! C'est trop cheaté. Il faut vraiment qu'on l'enferme, lui. On peut le pousser ? Non, on le touche pas. Surtout, tu ne le tapes pas, sinon il va augmenter ses prix. Il faut qu'on le suive. On attend qu'il aille dans une maison. Et quand il est dans une maison, on l'enferme. Pardon, là, c'est le retour. C'est le retour du bâton. On a bien fait. Mec, là, c'est incroyable, par contre. Et oui. Tu dois acheter un truc à lui, sinon il va changer de livre. Non, il change pas de livre. Il change pas de livre si on casse pas le truc. Tu veux que je passe une cellule, là, vite fait ? Après, on peut lui faire un échange, hein. Si, il change parfois. Quoi ? Thomas, est-ce qu'on a 18 émeraudes ? Je vais chercher, on en a 60. Ah bah vas-y, tu ramènes les émeraudes ? Ouais. Et prends des livres aussi. Ah mais non, j'en ai déjà, c'est bon, y a pas besoin en plus. Vas-y, allez, mon ref, va t'enfermer, toi. C'est bien par là-bas, la maison, je crois. Ouais, c'est là où t'es parti, ouais. Vas-y, il fait le timide, là. Il veut pas prendre un métier. Enfin, il veut pas rentrer dans sa maison.
un raccommodage, ça va être Gucci. Ouais, là, on va être vraiment bien, par contre. J'ai déjà oublié l'arc cheaté que j'avais, que j'ai perdu au début et tout ce qui s'est passé. Tant mieux. J'ai l'impression que c'était un autre live, le début où on a tout perdu. On m'a dit, mets-le dans un bateau. En vrai, c'est pas con, mais le truc, c'est que si je casse le bateau et qu'en voulant péter le bateau, je lui mets une droite, je vais m'en vouloir toute ma vie. Thomas, on est Gucci là, vraiment. On est vraiment, vraiment Gucci. Toi, mon pote, t'es mon meilleur pote. On n'a pas 60 d'émeraudes. Oui, je me disais. On a combien ? 40. Ok, c'est déjà bien. Tu t'en fous de casser le bateau ? Pour rien y arriver ? Ouais, mais tu peux pas trade s'il est assis dans le bateau, non ? Putain, on a tellement de chance. J'ai jamais eu ça comme chat, hein. Jamais, 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 hein. Et mais... ça, tu vois, c'est le fait de ne pas abandonner et de jouer la facilité tout le temps. Premier fois, coup, raccommodage, c'est incroyable. Genre, vraiment, c'est incroyable. D'habitude, tu peux le farmer. Parfois, t'as besoin d'une heure, tu sais. J'arrive pas à m'en rendre compte, moi. Bah, c'est le meilleur enchantement du jeu qu'on a du premier coup sur un perso. Qui peut te donner absolument tous les enchantements du jeu. Ok. Donc, bon, niveau RNG, c'est pas mal. Attends, je vais les éloigner. Attention, il vient vers toi. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait se foutre en l'air. Donc là, je lui parle. Là, tu lui parles. Tu cliques sur émeraude. Attends, donne-moi un peu d'émeraude. Ouais. Aussi. Voilà, en gros, tu l'échanges le truc raccommodage, quoi. Il te faut des livres sur toi. Sur le livre raccommodage. Attends, tu veux pas, je veux bien faire le premier comme ça on est sûr qu'on le nique pas. Mais oui, c'est, normalement c'est ça quoi. Tu cliques et après tu prends et tu mets dans ton inventaire. Voilà, c'est bon, j'en ai fait un, tu peux faire maintenant. Il perdra plus son métier. Clique sur raccommodage. Bah, tu cliques sur le livre, genre tu le mets dans ton, tu le fais glisser dans ton inventaire le livre raccommodage. Oui, d'accord. Et tu en prends le plus possible. Bah, c'est bon. T'en as combien de livres du coup ? Un. Attends, j'ai 3 émeraudes encore. Non, j'ai pas assez, ça fait 5. Ok, maintenant il faut qu'on l'enferme. Et on pourra péter son pupitre. Normalement, je crois qu'il perd plus. Dans le doute, on va lui laisser son pupitre, mais normalement, il le perd plus. Faut qu'on l'enferme. Putain, comment faire pour l'enfermer ? Si heureux, tu mets des blocs ? T'en as, toi, des blocs ? Ouais. En fait, faut qu'on le relie à la maison, quoi. Pourquoi ? Bah, pour qu'il ait un lit et tout, pour pas qu'il meure. Ah ! Mais on peut pas le pousser comme ça ? Moi, je veux pas l'emmener trop loin de son truc. Mais si, regarde. Oui, ça, maison. tu peux. Mais le tape pas, quoi, pour le pousser. Ah oui, non. Tiens, regarde, c'est bon, il rentre chez lui. C'est vrai que si on tape la cloche, il va vouloir revenir à son pupitre. Autant qu'on le laisse près de son pupitre, on s'en fout. Faut juste relier le truc. La cloche, le truc, c'est que s'il s'abrite pas dans la même maison, je sais pas. Écoutez, les gars, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. On se fait un peu chier. Oui, attendez la nuit, il ira dormir au pire. On peut ne pas attendre la nuit. Et lui, attends, mais il y avait un villageois en plus, du coup, il y a peut-être... C'est bon, attends, il est enfermé, là. Ok. Tant qu'il reste là, c'est bon. Du dieu du village, par contre, j'ai envie de lui faire la peau. Hein. Non, tu tapes personne. Tu tapes rien, tu fais rien. Tu fais la peau à personne. D'accord, Thomas ? D'accord. T'arrêtes tes pulsions. Oui, si tu fais la cloche, ils rentrent tous dans leur maison. Ils croient que c'est une attaque, en gros. Je peux faire, non ? Vas-y, on s'en fout. Ça sert à rien, ça prend 2 secondes, là. C'est presque fini. Non, mais comme ça, moi, ça sera plus clean. Mais on s'en fout. On n'y retournera jamais au village. On y retournera juste prendre l'enchantement. On n'a pas besoin qu'il soit clean. Comme tu veux, hein, mais vraiment, ça changera rien, quoi. Voilà, c'est bon. Il a sa maison, petit père. Et là, normalement, il est enfermé dedans. Je pense qu'il n'y a pas de fuite. Il peut plus sortir. Il y a forcément un lit, les gars, dans la maison ou pas ? J'ai un doute, là. Mais il dort pas là, lui. Mais si on lui met un lit, il dormira dans le lit.
Je sais pas, lui il dormait là-bas. La petite maison là. Non ! Non, je l'ai tapé, putain ! En voulant fermer la porte, putain ! Bon, ça va, c'est même prix. Sérieux ? Ouais. Et comme par hasard, il est sorti. Purée de merde. Sa maison, c'est laquelle ? C'est celle-là, tu dis ? Oui. Putain, mais du coup, il est sorti, ça casse les couilles. Il s'est précipité. Mais si tu veux, vas-y, si tu veux, je sonne, il va chez lui, on l'enferme. Et c'est bon. Même s'il est loin du pupitre, c'est pas grave, non ? Je sais pas. Vas-y, sonne au cas où, si tu veux tester. Elle est où, la cloche ? Elle est où, la cloche ? Elle est en haut, je sonne ? Vas-y, sonne, on va voir. T'as sonné, là ? Non, bah, y a les yeux, j'ai l'âge, non. Oh, non, attends. Putain, il est rentré, il est ressorti. Ressonne encore ? Du village, il s'est fait mal en se dépêchant pour aller à la maison. Moi, le nôtre, il bouge pas, c'est un échec, en plus. Oh, c'est bon. Ah, il trace, il trace. Il trace. Mais non, tu l'as bloqué, tu l'as empêché de se rentrer. Je t'ai vu, wesh, tu l'as bloqué, il a plus rentré du coup. Allez, rentre. Ok, c'est bon. Thomas, c'est bon. Je t'ai lu un livre tout de suite pour bloquer sur raccommodage. C'est bon, on l'a fait déjà. Tu pètes le pupitre, normalement, il perd pas son métier, tu vois. Puisque t'as déjà fait un trade avec lui, quand tu fais un trade avec lui, il est défini pour ça. Vous pétez le livre ? Le quoi ? Le pupitre ? Non, on le garde dans le doute. Ouais, mais on a même pas besoin de toute façon du pupitre, donc autant le laisser. Je préfère le garder, on est sûr. Mais Thomas, il est 20h06. Ouais ? Bah, tu sais ce que ça veut dire ? Non. Bah, c'est une fin de session. Ah ouais ? Bah ouais. Oh. Attends, j'ai demandé à ma chérie à quelle heure elle finit. Si ça se trouve, elle finit à 21h. J'espère qu'elle finit à 21h. Attends. Alors là, non. Mais Jade, vous avez pas le choix. C'est ma vie. On touche pas au pupitre. Ah bah, elle a fini, elle est à la maison. Bon bah voilà, bah moi c'est la fin alors. Thomas, ça veut dire que le prochain live Minecraft, on explore toute la faille ? Ouais. Et ça veut dire aussi que là, dès qu'on se fait une pioche en diamant, on peut mettre accommodage dessus. Oh là 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 là. On a la pioche en diamant déjà. Y'a plus qu'à mettre accommodage et c'est bon ? Non, d'abord faut qu'on l'enchante niveau 30. Sinon c'est vraiment gâché quoi. Merci Dadaï. Ah oui, faut que je fasse la miniature de la vidéo. Putain, non mais alors là, ouais, moi faut vraiment que je parte. Quelle miniature ? Celle que je t'ai montrée tout à l'heure, faut que je la termine. Elle était finie, non ? Non, j'ai pas fini. Ok. J'en ai pas pour très longtemps, mais j'ai des trucs, il faut que je fasse un petit peu, quoi. Donc ça veut dire que là, la prochaine mission, en vrai de vrai, ça va être de faire un portail pour le Nether. Et dans le Nether, XP niveau 30 pour pouvoir enchanter notre truc. Je pense que ça va être vraiment ça, le prochain truc à faire. On fait le portail ? Ouais, on va le faire. Mais attends, ils sont attachés. Ah non, what ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, le villageois qui disparaît des fois. T'as du bois sur toi ou pas ? Ouais. Tu peux me donner, s'il te plaît ? Cimer. Et la table d'enchantement, elle est où ? Dans la shulker box, ok. Ok, je vais nous faire le truc d'enchantement. Je le mets où ? Je le mets ici ? Ça te va ? Oui. Peu importe. Okay. Alors du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faut enlever un peu les... Enfin attends, on va voir. Ça se trouve, ils gêneront pas les éclairages. C'est quoi la netherite ? C'est le truc hyper rare. Prochaine étape, farm pour stuff en diamant, oh une farm en diamant. Oh là 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 là, putain, si je monte niveau 4, en plus j'ai une efficacité 4 moi sur mon truc, donc c'est vraiment parfait. T'as quoi toi au niveau 3 ? J'ai niveau 1, solidité 1, niveau 2, efficacité 3. Et niveau 3, solidité 3. Ah, solidité 3, c'est broken aussi. Et t'es niveau combien ? Niveau 8. Je pense que je ferai la prochaine fois. Je prendrai efficacité 4 direct, je crois que c'est le max. Je suis niveau 15. On le fera la prochaine fois. Parce que, et il faudra surtout, toi, que tu enchantes rien, ok ?
Okay. Tant que j'ai pas enchanté ma pioche, faut que tu fasses rien, toi. Quoi? Parce que sinon, j'aurais plus l'enchantement sur ma pioche, ça va m'en proposer un nouveau. Mais non, c'est pas par personne. Je crois pas. Je crois que ça reset. Je suis pas sûr, mais dans le doute, je veux bien qu'on fasse rien. Oui. Ok, vas-y, bah, je quitte là-dessus. On fait quand? C'est quand la prochaine session sur le jeu? En fait, pour finir, cette session, elle partait trop mal. Et elle s'est finie en véritable banger. Genre vraiment, c'est juste parfait là. C'est juste parfait. Bisous à tous, j'espère que vous avez aimé le live. Je vous embrasse fort, je dois partir très vite comme un voleur. Merci pour le soutien pendant le live. Et merci Thomas d'être toi. De rien. Bisous chat.